Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi. Alléluia, nous voulons encore invoquer ton nom, Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. Amen. On va rester sur ce chant pour invoquer la présence de Jésus. We're going to call upon the presence of Jesus. Pour invoquer la présence de Jésus. Call upon the presence of Jesus. Dans notre message la dernière fois, previously in our message, on a parlé des signes, des marques de l'alliance. We spoke of the signs of the covenant. Et je vous avais dit que le nom de Jésus est un signe. And I told you that the name of Jesus is a sign. Un peu comme un nom de famille. Just as a surname. Lorsque tu es dans la famille de quelqu'un, when you are part of such, vous avez family, un nom commun. You have a common name. Et ce nom-là est un signe. And that name is a sign. Et le nom de Jésus, c'est le nom que Dieu nous donne aussi. And the name of Jesus has been given. Alléluia. To us by God. Et c'est le nom, lorsque nous invoquons, les portes nous sont ouvertes. And when we call upon that name, doors c'est le nom are open. Que nous présentons. This is the name we have hold. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. The Bible says, whosoever shall call et nous voulons déclarer encore le nom de Jésus. Let's declare once again the name of Jesus. Alléluia. Amen. Je t'invoque, Jésus. Jésus, Jésus, I invoke you, Jesus. I call your name, Jesus. That's who you are. I call you, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Can we pray together? Can we pray and call the name of Jesus? I call you. I call you, Jesus. I call you Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, that's who you are. I call you Jesus. In every situation. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, I call you Jesus. That's who you are. I call you Jesus. Jesus, Jesus. When everything is okay, I call you Jesus. Jesus, Jesus. When I have some challenges, I call you Jesus. You are my Savior. I call you. I call you. I call you. I pray your name. Jesus. Oh Jesus, that's who you are. What wonderful name. I call you. Je t'invoque Jésus, 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 pour qui tu es. Je t'invoque Jésus, 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 pour qui tu es. Je t'invoque Jésus. Jésus, 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 Jésus
Celebrate your name. Thank you for this sign. Merci pour ces instants. Thank you, Jesus. Merci, Jesus. Thank you, my Lord. Merci, mon Dieu. Can we put our hands together to celebrate the name of Jesus? The wonderful name of Jesus. Le merveilleux nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. And someone give a great amen to God. Que quelqu'un dise un amen puissant. Hallelujah. Celebrate the name of Jesus. Célèbre le nom de Jésus. Amen. Amen. I wish to all of us here a very good welcome in the presence of our Lord. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans la présence de notre Dieu. Welcome to our fourth service. Bienvenue à notre quatrième culte. It's a bilingual service. C'est un culte bilingue. Usually it's a multi-language service. D'ordinaire, c'est un culte multilingue. Amen. More science, we are get together again. We start by two languages, English and French. Mais vu que c'est maintenant que nous nous rassemblons, nous avons repris avec les deux langues, français et l'anglais. Amen. Amen. Who speak English here? Qui parle anglais ici? Amen. For those who follow me on internet. Pour vous qui me suivez sur internet. Can you share this service to all your English brothers, sisters and friends? Partagez le lien de ce culte à tous vos familles, frères, amis et frères. Amen. Amen. And subscribe to that page. Et vous pouvez également vous abonner à nos pages. Amen. Amen. Very good, welcome. Soyez and la you bienvenue. Who are here, greet and bless your neighbor. Et vous qui êtes ici, saluez, bénissez votre voisin. And can we celebrate the name of our God with a special, special ovation? Thank you, God, for everything. Et célébrons le nom de notre Seigneur avec une ovation spéciale. Hallelujah. Merci, Amen. Jésus. Amen. And we want to thank God for Sacerdos Royal. Thank you. Nous rendons grâce à Can Dieu we pour put Sacerdos our hand Royal. Together for this wonderful group. Acclamons pour ce groupe musical and for the worship time. Amen. 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 Today, by the grace of God, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, I will hand our topic the fifth challenge. Nous allons conclure avec la cinquième épreuve. Amen. Amen. Or the fifth victory. Ou la cinquième victoire. The fifth victory. La cinquième victoire. Amen. Versus the fifth challenge. The fifth challenge. La cinquième victoire sur le cinquième type d'épreuve. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. And today. Et aujourd'hui. Let me tell the topic in English. Alléluia. I will speak. For four secrets to restore a torn apart soul. Je vais parler des quatre secrets pour restaurer l'âme déchirée. Dis avec moi en français ou en anglais selon ce que tu parles. Quatre secrets. Repeat after me. Pour restaurer. Four secrets. L'âme des déchirures. To restore a torn apart soul. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons partager quatre secrets. We are going to share four secrets pour qu'une âme soit restaurée on how a soul can be restored après avoir connu une des déchirures. After many grievances. Vous savez, on ne peut pas vivre you know, it's impossible to live sans connaître l'épreuve numéro 5. Without going through the trial number 5. La vie life itself est remplie de chocs is filled with so many challenges où notre âme est déchirée et blessée. Where that will tear apart our soul. Et au fil des années, ces différentes blessures all those different wounds finissent par altérer notre joie will change our joy et nous transforment au fil du temps. And change us as time go by. Des personnes qui étaient très enthousiastes people who used to be very excited finissent in life par devenir de plus en plus renfermées. Grow cold. Des personnes qui étaient joviales people who used to be very happy deviennent de plus en plus tristes, become more and more sad. Analystes. They become more reasoning. À cause des successions de frustrations. Because of many succeeding challenges and frustrations. Alléluia. Amen. Certains d'entre nous. Some of us. S'entendent souvent dire, mais avant. I used to hear. C'est toi qui donnais la joie au groupe. You were the one who was only making the group happy. When you used to be a student. Tu mettais beaucoup de joie dans la classe. You always bring a lot of joy and fun in the classroom.
Mais après un certain nombre de temps, but then after some years, tu as un peu changé. You changed. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors souvent cet état, ce comportement là, and so sometimes this attitude est dû à des choses qu'on a perdues. Was birthed through things that we have lost. Alors dans la vie, lorsqu'une personne perd, so in life when somebody loses something, quelque chose ou quelqu'un, somebody or something auquel il est attaché, that is dear to him. Quand on dit une chose à laquelle on est attaché, ça veut dire on tient à elle. When we say something is dear, cette chose ou cette personne a beaucoup de valeur et d'importance pour nous. That thing or that person is very important in our sight. Amen. Amen. Alors lorsque l'âme s'attache à quelqu'un ou à quelque chose, so when the soul clings onto something or somebody, et que cette chose-là nous est arrachée, and that thing is taken away, et cela laisse des séquelles dans notre cœur. It will leave wounds in our hearts. Si tu es tombée amoureuse à l'âge de 15 ans, if you fell in love at 15 years ans, old, 16 years tu as old, aimé quelqu'un, you loved somebody, et qui te trahit, qui t'abandonne brusquement, and that person betrays you and suddenly même si leaves you, plus tard tu dis que tu as oublié, even if in the years to come you say you have forgotten, l'âme a gardé des cicatrices, there are scars that remained in your et soul, les cicatrices là vont influencer, and those scars will have an impact, tes futures relations amoureuses, on your next love affairs. À cause de ces cicatrices, because of those, tu peux avoir une certaine façon de réagir. You may have a certain attitude. Il y en a même certains qui ne sont même plus capables de donner l'amour à autrui. Some people are not even able to give love. Je connais même certaines personnes qui sont entrées dans le mariage parce qu'il ne fallait pas rester célibataire. I know of people who got married just because they didn't want to remain single. Et j'ai connu souvent même des frères et puis souvent mes filles spirituelles disent souvent. Oftentimes my spiritual daughters would tell me. Pasteur, je ne sais pas, je n'arrive pas à être amoureuse de lui. Pastor, I don't know how I'm unable to love him. Et elles font référence à une histoire de leur passé. And they will refer to stories of their pasts. Où en fait elles étaient tombées amoureuses de quelqu'un. Where they fell in love with somebody else. Et la personne avec qui elle chemine, and the person they were elle l'aime with, bien. They are in cotton with the like est-ce the que tu veux l'épouser? Elle va te dire oui. And when you ask, do you want to marry? Mais lorsqu'elle cherche yes, dans son âme, but when she searched deep down her soul, elle sait que son cœur est capable de donner plus d'amour qu'elle ne le donne maintenant. She knows her love can give more love than what et she's doing. Et ces personnes la vont même chercher dans leur cœur où est passé l'amour. And this person go even to seek where is the love. Ton now. Âme a été blessée. Your soul was wounded. Et ton âme a été restaurée. And your soul was et ton âme a besoin pardon d'être restaurée. And your soul needs restoration. Je parle de situations amoureuses. I speak of love affairs. Mais vous l'avez aussi dans la situation professionnelle. But you also have the same in the professional arena. Lorsqu'on t'arrache injustement un travail, when your job is taken unfairly from you, quelque chose que tu aimais, something you hold une activité que tu aimais faire, an activity you love to et do, par des méchancetés, on te renvoie, on t'arrache ce travail-là, bizarrement. And through people's wickedness, you get dismissed. Même si tu joues au dur pour dire ça n'a pas fait mal, even if you play strong and pretend it didn't hurt, mais c'est quelque chose qui a déchiré ton âme. It is something that has torn your soul apart. Et si ton âme n'est pas restaurée, and if your soul is not restored, cette blessure là, this wound, va affecter ta situation, tes situations professionnelles futures. Will impact your next professional relationships. Tu peux ne plus donner le même zèle, le même courage, le même dévouement aux nouvelles entreprises dans lesquelles tu vas travailler. You may not be able to invest the same commitment. Même lorsque Dieu te donnera le travail de ta destinée, even if God were to give il est possible you your destiny que tu n'aies plus job, la même énergie. It is possible that you may not have the same energy. Pourquoi again? Why? Ton âme a été blessé lors d'un arrachement. During a painful separation. Alors le désert numéro 5, so this was number 5, ou la cinquième épreuve, or the fifth trial, est l'épreuve des arrachements. Is a trial of painful separation. Il y a à peu près 10 catégories d'épreuves. You have 10 categories of c'est-à-dire trial. Quel que soit le type d'épreuve, de douleur à laquelle tu peux être confronté, meaning whatsoever type of pain you may on be peut facing, la classer dans une de ces 10 catégories. It can be placed in one of those categories. Alléluia. Amen. Et c'est très important de savoir catégoriser vos épreuves. And it is crucial to know the category of your trial. De pouvoir leur donner un nom. To put a name on it. Parce que quand vous donnez un nom à l'épreuve, because when you put a name on a vous trial, pouvez appliquer maintenant la sagesse qui vient avec ce type d'épreuve. Then you are able to apply the wisdom. Alors, to resolve si tu passes it. Par des moments difficiles, so if you are going through difficult times, applique cet enseignement que je te donne depuis plusieurs mois. Apply the teaching I have been il faut on que over tu arrives months. À identifier
la douleur que tu traverses. Be able que tu to identify the pain you have. Si c'est la douleur de ne pas travailler, if it's because you are jobless, tu souffres d'être au chômage, you suffer because you are unemployed, ça s'appelle désert numéro 1 ou numéro 3. Is it a trial number 1 or number 3? Si dans ton chômage, il y a des pensées de suicide, de découragement, de colère, ou même tu as presque envie de devenir fou, now if the unemployment comes with thoughts of suicide, c'est un désert numéro 3. Then it's a desert number 3. Si ça ne crée pas en toi de la dépression, if it doesn't create depression, des envies de suicide, thoughts of suicide, mais que tu n'as pas de travail, but you are jobless, par contre, chaque fois qu'un travail semble commencer, tu te rends compte que c'est une désillusion, il ne t'arrive pas ce que les gens t'ont promis. C'est-à-dire les gens te promettent et puis ils ne font pas, tu commences et puis l'affaire n'aboutit jamais. Yet if there is a job offer and it never comes to fruition, si tu es dans ce type de situation, if you are in that kind of c'est situation, un désert catégorie numéro 1. Then it's a desert category number one. Alléluia. Amen. Si tu travailles, if you have a mais job, que le salaire du travail est insuffisant, but that the salary is not enough, ce n'est pas la même épreuve que celui qui n'a pas de travail. It is not the same trial toi, as au moins, the one tu as un travail. At least you mais have le travail a job, est insuffisant. But the job is ça s'appelle not une épreuve catégorie numéro 2. This is a category number et les deux épreuves trial ne se traitent pas de la même manière. And you don't solve them the et same tu peux way avoir la même situation sur le plan sentimental. Il y a désert insentimental, désert improfessionnel, etc. dans this tous les domaines. Situation can be in all walks of lives. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque quelque chose était à toi, but when somebody belonged et tu aimais to faire you, cette chose-là, and you love doing ou bien that tu étais attaché à quelqu'un, or you had clinged to the person, et qu'un accident, and that an accident, un incident any happening vient à t'arracher ce que tu avais, comes to separate tu te trouves you dans la catégorie numéro 6 qui s'appelle les épreuves d'arrachement. When it's snatched away, then you are in the desert of painful separation. Alléluia. Amen. Donc de toutes les épreuves qu'on a parcourues, so of all the trials c'est cette épreuve-là we have qui vient seen, directement blesser ton âme. This is the one that will come directly to wound qui vient faire your une soul, blessure intérieure. That will come and wound you deep down inside. Alors depuis le début de cette série, so from the beginning of de this cette cinquième épreuve, of this fifth trial, je t'ai parlé des avantages d'abord. I told you first parce of que quelle what que soit l'épreuve, because whatsoever the trial, il y a une gloire derrière. There is always a glory quand tu traverses within une épreuve numéro 2, when you're going through a trial number 2, Dieu veut augmenter tes ressources. It means that God wants to increase tu vas avoir your beaucoup resources plus d'argent. You're going to have much more resources. Si tu comprends ça, tu vas aimer les épreuves numéro 2. If you understand this, then you will fall in love with trial number 2. Mais lorsque tu traverses une épreuve catégorie numéro 5, but then when you're going through a trial number 5, c'est que Dieu veut faire en sorte que il y a dans ta vie ce qu'on appelle une alliance des bénédictions. Then God wants to activate the covenant of blessing. C'est-à-dire la bénédiction va se coller à toi. Meaning the blessing will cling onto lorsque you la bénédiction se colle à toi. When the blessing clings ouais, onto il y a you des gens qui, avec qui la bénédiction la, sur la vie desquels la bénédiction est collée. You have people the blessing has clinged quand onto je regarde their ma life. Vie, when I consider my own je life, vois que il y a un moment donné, Dieu a collé la bénédiction sur moi. I realize that at some point in time, God attached. Et je considère certaines personnes que je vois, je dis la bénédiction est attachée à eux. And some people I see, I can detect that the blessing is attached to them. Tous les chrétiens ont droit à avoir la bénédiction attachée à eux. And all Christians have the right to that blessing. C'est-à-dire la bénédiction arrive. Meaning the blessing comes. C'est-à-dire quand on dit la bénédiction attachée, c'est-à-dire que même quand tu es un peu fatigué, tu dis bon, un peu de repos. De... It means that la bénédiction dit non, c'est pas fini encore. Encore. When you've had enough, encore. It still comes in overflow. Plus de protection. In overflow. Plus de ressources. Protection in overflow. Resources in amen overflow. Amen. C'est merveilleux. Alléluia. It is awesome. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Glory be to God. Gloire à Dieu. Glory be to la God faveur divine surabonde divine dans ta vie. Divine favor overabound in your life. Et pour activer l'alliance de bénédiction, so to activate the covenant j'ai déjà of parcouru blessing, quatre clés. I spoke of four je ne vais keys pas revenir là-dessus. I'm not going to repeat them. Mais but si l'arrachement if produit l'alliance de bénédiction, the snatching gives birth to les the covenant quatre clés là, of blessing, ça t'envoie l'alliance de bénédiction. Those four keys lead you to the les covenant, quatre clés those four ne keys guérissent pas do not heal forcément ce que, ne te guérissent pas de ce que tu as perdu. Do not necessarily heal you from what you amen have lost. Amen. J'ai vu des femmes, I have seen women, j'ai vu des couples I have seen couples avoir un mari excellent. Having a wonderful spouse. Et dans le secret, ma fille, elle vient me voir. And in the secret, my daughter comes to me and she hey, tells papa, me, she said, Daddy, le mari que j'ai, the husband that I have, c'est la grâce de Dieu. It is the grace of God. Il prend soin de moi. He takes care of me. Il est extraordinaire. He is wonderful. Tu sens que Dieu l'a béni. You feel that God has blessed her. Mais dis, papa, but she said, Daddy, je sais pas. I don't know.
mais je n'arrive pas à l'aimer. There is something about I just can't love him. Je dis comment ça? And I'm like how so? Je dis vraiment? And she said truly. C'est compliqué. It is difficult. Je cherche. I'm seeking. Qui est-ce que je suis une bonne femme? For sure, I'm a good lady. Mais il y a quelque chose que je ne trouve pas. But there is something I'm unable to find. Cette femme-là, this woman, la bénédiction est venue s'attacher à elle. The blessing came to cling sans que onto son cœur ait été guéri des blessures du passé. Without her heart being healed of the past. Alléluia. Amen. Son âme, her soul, refuse de trop donner l'amour parce que l'âme a été trahie. Tu vois, l'âme a peur de s'attacher à nouveau parce que l'âme se dit, mais ce monsieur est tellement bien. S'il me trahit, comme Gasparien m'avait trahi il y a 33 ans. The soul refused to give love because of past betrayal. Parce que toi, tu as oublié Gasparien. Because you have forgotten Gasparien who betrayed. Mais ton âme n'a pas oublié les trois nuits, comment on dit ça, de Goumen, ça Goumen, non? Les trois nuits de Goumen, ton âme n'a pas oublié cette affaire. Your soul has not forgotten the time of broken hearted. Ton âme n'a pas oublié. Your soul hasn't forgotten. Ça fait 30 ans, l'histoire est terminée. 30 years have elapsed. Mais quand tu commences à nouveau à vouloir tomber amoureuse, but then when you want to fall in love again, l'âme se relève. Then the soul comes back tu to the surface. Tu vas pas nous amener encore dans l'histoire. On a trop pleuré hier. No, you're not going to make this happen again. We cried et too long. Et tu veux bien yesterday. Donner l'amour à cet homme. And you want to give mais ton âme dit, pas possible. But your soul said, on peut pas no s'autoriser way. Ça encore. No way, this cannot happen again. Un homme peut être de ce genre. A man of this kind et finit par t'abandonner. Can do this and end up betraying you. Et demain tu vas apprendre qu'il te trompe avec X ou Y. And tomorrow you hear that he's betraying you with another person. Ton âme doit être restaurée. Your soul has to be restored. Et ça c'est un des ministères de Jésus. And this is one of Jesus. Dans le psaume 23, verset 3, in Psalm 23, verse il dit ceci, he says this. Alléluia, amen. Il me conduit dans les sentiers de la justice, he leadeth me to the path of righteousness. Il restaure mon âme, he restores my soul. À cause de son nom, for his name's sake. Que Dieu restaure ton âme, may the Lord restore your soul. Alléluia. Amen. Pour qu'une âme sorte de ce type de blessure, for a soul to be healed of elle that a type besoin of d'être restaurée. The soul needs restoration. Amen. Amen. Le mot restaurer, the word restoration, c'est plus que guérir. It's more than just healing. Lorsqu'on dit ton âme va être guérie, when it is said your soul will be healed, alléluia. Amen. C'est-à-dire, it means, si ton âme était tombée de cette hauteur-là, your soul ton âme had fallen from such heights, est venue à ce niveau, and gotten low, et Dieu vient guérir ton âme, and God comes to heal Dieu vient your soul, te consoler, he comes to comfort c'est comme you, s'il te ramène à ce niveau. He will take you from down back to the same level. Mais la restauration, but then restoration, c'est que non seulement tu arrives à ce niveau, not only you come back to mais the previous level, ton âme grandit encore, but your soul increases, tu vas encore plus haut. You go higher. C'est-à-dire, meaning that, il ne s'agit pas que tu aimes ce monsieur comme tu aimais Gasparien qui you t'a trahi hier. Will not love the man as the one who betrayed you yesterday. Tu vas même mieux l'aimer même you que tu aimais Gasparien. Even better than you love Gasparien. Si c'est sur le cadre professionnel. On the professional arena. Il ne s'agit pas que tu aies le même zèle que tu avais lorsque tu travaillais il y a 5 ans. It's not about you having the same zeal as 5 years. Mais il s'agit ago. De faire encore mieux. But it's about doing la restauration. Better. Restoration. Ça signifie la guérison. It means healing. Et ça signifie avoir encore plus d'énergie pour faire mieux. And increase to do even alléluia. Better. Amen. J'entends pas ton amen. I can hear your amen. J'entends pas ton amen. Give me a good amen. Alléluia. Amen. Amen. Dans restaurer, il y a guérir. In restoration, you have healing. Mais il y a aussi le mot qui entraîne le mot restaurant. But also you have restaurant. Or dans un restaurant, yet in a restaurant, quand on va dans un restaurant, when we go to a restaurant, on va pour guérir. We don't go to on heal. On va pour prendre de la nourriture pour bien avancer encore pour le futur. We go to feed ourselves and have energy alléluia. To keep on going. Alléluia. Amen. Donc quand on dit on te restaure, on, so, non seulement tu es guéri, mais on te donne de l'énergie pour le futur. Que cela soit ton partage. You are healed, but you receive energy aujourd'hui, for the Jésus next veut restaurer ton âme. Today, Jesus wants to restore le your soul. Désert, la cinquième clé. Du désert numéro 5, the fifth key of desert number 5, c'est la restauration de l'âme. It is the restoration of the soul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui sent que son âme a besoin de restauration? Who feels that its soul needs restoration? Qui sent que son âme a besoin de restauration? You feel that your soul needs restoration? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Glory be to God. Alors, on va donc voir quatre manières, quatre secrets, pardon, pas quatre manières, quatre secrets. We're going to see four secrets qui doivent être tous appliqués. That should be applied pour voir l'âme restaurée. So the soul can be restored. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Glory be to God. Alors, on va lire. So we are going to read. On va parler de l'histoire d'un homme.
But we see the story of a man, ou de deux personnes, the story of two persons, qui ont connu la restauration. Who experienced restoration. Pendant qu'ils avaient, le premier avait un cœur froid. While the one, the first one, his heart has grown cold. Face à une épreuve d'arrachement. When he was confronted to a desert of snatching, amen. Separation. Parce que là, on peut augmenter un tout petit peu mon retour. Dans mes... Quelqu'un donne un bon amen. Give a mighty amen. Je vous sens pas bien. Donnez un bon amen. I can feel you give a good amen. L'ampleur de ton amen détermine la façon dont l'ampleur de ce que tu vas recevoir du ciel. The strength of your amen determines the strength Alleluia. Of your answered prayer. Alors tout le monde connaît l'homme de Dieu qu'on appelle Jacob. So we all know the man of God named Jacob. C'est le petit-fils d'Abraham. He is the grandson of Abraham. C'est celui qui vient clôturer le trio de l'alliance de bénédiction. C'est-à-dire on dit la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. He comes to seal the trial of blessing. We speak of the blessing of Abraham, Jacob, Isaac and Jacob. Est un battant. Jacob, he's a fighter. Jacob est un combattant. Jacob is a warrior. Jacob est quelqu'un qui a tout obtenu par la puissance de la foi, de la détermination. He obtained everything through faith avant and the naissance, power of determination. Before his une birth, prophétie avait dit qu'il allait être un champion a comme ça. Prophecy was released that he was going to be a champion. Et la manière dont il est né, and the way he got son born, frère voulait sortir avant. En tout cas, il y a eu un combat. There was a fight. Et on l'appelait Jacob. And he was named Jacob. Un nom qui veut dire un peu prendre la place, un peu comme usurpateur, un peu. Thief. C'est pas aussi négatif, mais c'est quelqu'un qui n'est pas qui sentait qu'il devait être à une place, tu es devant lui, il te prend et puis il revient à sa place. It's not negative, but he's the one who feels that when you are ahead of him, he has to take over. C'est un nom qui veut dire que les choses n'arrivent pas facilement. It's a name that means that things do mais not ce qui come est à toi, easily, tu vas le récupérer. But what belongs to you, you are going to get. C'est un nom it. Qui traduit le fait qu'il doit se battre pour récupérer ce qui est à lui. This is the name that translates that you have to fight to get everything Alleluia. That is yours. Amen. Alleluia. Amen. Et il transportait cela depuis le ventre de sa maman. And he carried it from his mother's womb. C'est comme si dans le ventre de sa mère, Dieu avait prévu qu'il soit l'aîné. It's as though in the mother's womb, the mais Lord être l'aîné, ça ne lui a pas été donné. He was going to be the firstborn, but he il a dû didn't. Récupérer le droit d'aînesse. He had to get back the birthright. Parce que de son frère jumeau, c'est lui qui devait recevoir la bénédiction d'Abraham. Because of his twin brother, he was the one destined to Abraham's blessing. But all of those things. C'est comme s'il le sentait dans son cœur. It's as though he felt it in et his heart. Il a dû se battre ainsi. And he had to fight to get them. Il a récupéré le droit d'aînesse. He got back the birthright. Il s'est battu pour prendre la bénédiction de son père. He fought to get the blessing from lorsqu'il his father. Part chez son oncle when he goes and lives with his pour uncle travailler to work with him et pour se marier and to get married. Son oncle l'exploite again, his pour uncle avoir would sa abuse femme. Of him to get his wife. Il tombe amoureux d'une. He fell in love with one. On lui demande de travailler 7 ans. He was asked to work for 7 years. Pas petit, hein? This is not just nothing. Tu tombes amoureux d'une personne aujourd'hui. You fall in love with somebody and you are asked. Ta dot là, c'est 7 ans d'emploi. To pay the dowry, you have to work for 7 good years. On a 20 ans. Yeah, like we have. Donc on va se marier dans Avest. So ou bien on a 30, on va se marier dans 7 ans plus tard. Jacob a accepté. Jacob agreed to that. Il s'est battu et il a eu. He fought. Au moment où on allait donner Rachel. And when Rachel was supposed to be given Léa. As wife, he received Leah. Il dit quoi? He was like, what is et this? Et c'est maintenant que son beau-père lui apprend. Non, and dans then, cette famille, on ne marie jamais. His father-in-law la deuxième told avant him, l'aîné. No, you don't marry the second. Voilà 7 ans j'ai travaillé. Pourquoi older. Tu m'as dit ce truc? And he's like, I've been working for 7 years. Why didn't you tell donc, me that before? Il dit donc si before? Tu veux avoir la petite sœur. He said, okay, if you want to have the junior sister. Faut travailler 7 ans de plus. Work again for 7 years. Il a fait 14 ans. He worked 14 years. Tellement il aimait Rachel. Because he loved Rachel so dearly, and he got her as wife. Mais au moins l'oncle a été un peu gentil. But at least the uncle was kind. Après les 7 ans, il lui a donné les deux. After the 7 years, mais il dit tu dois être mon employé 7 ans encore. But he said you still have to work for me for 7 je te donne ma fille à crédit. I give you my daughter on a loan. Lorsqu'il va la voir, when he will see Rachel her, qu'il aimait va souffrir de stérilité. Rachel that he loved, il va was se battre, il va prier. He will fight, he will elle pray, va finir par avoir 2 enfants. And she will end up having 2 children. En fait, dans sa vie, tout est compliqué. You know, in his life, everything did not come easy. Son oncle, pour qui le paye? His uncle, he worked son oncle with. L'a tourné. His c'était difficile. Aunt abused him. It was et so difficult. And Dieu a dû intervenir. God himself et lui had to donner step une sagesse pour qu'il ait son salaire. And give him wisdom for him to get his et son oncle dit, bon, quitte ma and famille. Then the uncle was like, okay, get gone from en fait, my house. Sa vie était combat. You know, all his life was wrestle. Et à un moment, on voulait même jouir de ses biens. And even when he wanted to enjoy de ses deux femmes, celles qu'il aimait décède. Of the two wives, the one he loved died. Ça a été compliqué. It was tough. Mais dans toutes ces situations, Jacob s'est tout le temps relevé. But in all of this, Jacob always jour, got back Dieu. Up. One day he met God. Et il se bat. And he fights. C'est une image spirituelle. This is a spiritual illustration. Et il a dit à l'ange. And he told the angel. Ma vie, il faut que tu me bénisses.
You have to bless me by all means. Je suis fatigué de me battre pour chaque petit détail. I've had enough to fight for every little thing. Chaque petit détail. Every little thing I get. Mariage, c'est pas l'âme. To get married is an issue. Prendre l'héritage à la maison, c'est pas l'âme. To get the inheritance again is an issue. Ce qui est à toi, c'est pas l'âme. What it belongs ton to salaire, you is an c'est issue. Your salary to ton get mariage, is an issue. Ce sont des histoires. Your marriage is an issue. Dis, Dieu, je suis fatigué. Is that God, I've had enough. Et Dieu le visite en Genèse chapitre 32. And God visits him in et Dieu dit ceci à Jacob. And God says on ne t'appellera plus Jacob. No longer will you be called Jacob. On t'appellera maintenant now, Israël. You will be called Israel. Alléluia. Amen. Jacob. Jacob, je change ton nom. I change your name. Genèse chapitre 32. Genesis 32. Amen. Amen. Verset 28. Verse 28. Il dit encore ton nom ne sera plus Jacob. And he said your name shall no ben longer tu be seras appelé Jacob, Israël. But Israel. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. For you have struggled with God and with et tu as été vainqueur. And you have prevailed. Dieu change ton nom. God changes your alléluia name. Amen. Mais plus tard but later on, on arrive au verset, au chapitre 37. Let's go jump to verse 37. Où Jacob pensait que sa vie était tranquille. Where Jacob thought maintenant il s'appelle Israël. Now ça veut dire Israel. Le champion. It means ça veut dire celui qui a gagné. It means the one who il va has passer overcome. Par une autre épreuve. Then he will désert de l'arrachement. See another trial, the trial of comme Rachel était décédée, as Rachel il s'était died, particulièrement attaché aux enfants de Rachel. He had clean gone to the children of Rachel. Joseph et Benjamin. Joseph and Benjamin. Et Jacob, pardon, et Joseph a été reporté. Ses frères sont venus dire que Joseph est mort. And then the brothers came to tell him that or, il n'était pas mort, on l'avait vendu. Yet, Joseph had not mais died. Ses frères he ont, fait, ont simulé sa mort en mettant du sang d'animal sur sa chemise, sur but, son habit. But then the brother et le verset 33 de Genèse 37, he had died. And in Genesis la Bible dit, 37, the Bible says, Jacob l'a reconnu Jacob recognized, et dit, and he said, c'est la tunique de mon fils. It is my son's tunic. Une bête féroce l'a dévoré. A wild beast has devoured him. Joseph a été mis en pièces. Without doubt, Joseph is torn to pieces. Et il déchira ses vêtements. Then he tore his clothes. On va lire la suite ensemble. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Let's read together. Il mit, je ne t'entends pas, lisons. 1, 2, 3. Can I hear you? Il mit un sac sur ses reins. On his waist. Il porta longtemps le deuil de son fils. For his son many days. Tous ses fils et toutes and ses all filles. His sons and all his daughters. On y va. Tous ses fils and all his et toutes ses filles and all his vinrent pour le consoler. To comfort him. Mais il ne voulut but recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. Joseph, et pardon, Jacob a dit, ça suffit. Je ne veux plus qu'on me console, c'est bon. Jacob a jeté l'éponge. Jacob threw in the towel. Lorsqu'il a perdu son fils, when he lost his son, il croyait qu'il était mort. He thought he had died. Parce que aller être esclave en Égypte, because going to be slave in Egypt, c'est même synonyme de mort. It is synonymous to death. Et il a commencé. And then, il est rentré dans un deuil. He mourned. D'où il ne voulait plus s'en sortir. And it was no longer il a été, son to fils come lui a out. Été arraché. His son was désert de l'arrachement. Away, the desert of snatching. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Quelqu'un donne un bon amen. Somebody give a good amen. Quelqu'un donne un bon amen. Give a good amen. Mais Dieu a une promesse pour toi. But God has a promise. Alléluia. For you. Amen. Et entre le moment où il va avoir, il va apprendre le décès de son fils, in between the time he qui était un faux décès, his son's death, that was et fake, le moment où Dieu va le visiter, and the time God will visit him, il va s'écouler plus de 20 ans. More than 20 years Joseph will elapse. Est devenu esclave en Égypte à l'âge de 17 ans. Joseph became slave at 70 years old. Et in il Egypt. Va passer chez Monsieur Potiphar, aller en prison. He will go through Potiphar's house, go et to le prison. Jour où il va devenir premier ministre, and the day he becomes prime minister, la Bible dit que Joseph avait 30 ans. The Bible says he was 30 years il avait 30 ans. He was 30 ça faisait combien d'années old. Déjà how many years have elapsed? 13 ans. 13 good et il years. Va annoncer qu'il va avoir 7 années d'abondance, 7 années de famine. They're going to have 7 years of overflow, 7 years of famine. Les 7 années d'abondance là sont passées. The 7 years of overflow, c'est-à-dire elapsed. Après les 7 années d'abondance, meaning, Joseph avait au moins 37 after the 7 ans. Years of abundance, Joseph was et la famine va frapper le monde. And the famine will strike. Donc on ne sait pas si c'est après la première ou la deuxième ou la troisième année de famine so we don't know if it's after the first, the second or the third year que of famine.
les parents de Joseph vont aller en Égypte et ils vont se rendre compte que leur frère vivait et qu'il était devenu le gouverneur de l'Égypte. That Joseph's family will go to Egypt and realize that their brother had become the governor of Egypt. Si on considère au moins 37 ans, so if we consider around about 37 years, son papa l'a perdu à 17 ans. His father lost him at 17. Ça fait 20 ans en train de pleurer. Meaning 20 years of mourning. 20 years of quel que soit le nombre d'années no où ta situation years, a pourri, situation mon Dieu est vivant pour te restaurer, alive, pour te guérir, you, pour te transformer, you, pour te quelque chose. You. Tu vois, je viens de la part de Dieu God, aujourd'hui pour la résurrection de ce qui est mort dans ton cœur. Tu dois, ton âme doit être restaurée. Amen. Your soul aujourd'hui, has tu vas être visité restored. Par une restauration today, you will be qui seule vient de Dieu. That can only come from alléluia. God. Amen. Gloire à Jésus. Glory be to God. Et cette résurrection, cette restauration va se faire dans le passage ici. And this restoration will happen in this portion of scripture. Genèse, chapitre 45. 45. Il est dit, it is said, à partir du verset 25, ils remontèrent de l'Égypte. Then they went up et ils arrivèrent dans le pays de Canaan, and came to the land of Canaan, auprès de Jacob leur père. To Jacob, their father. Il lui dit, and they told him, Joseph vit encore. Joseph is still alive. Attends, lisons ça ensemble. Lisons ensemble. Read together. Let's read together. Dis avec moi, Joseph vit encore. Joseph is still alive. Et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. He is governor over all the land of Egypt. Mais le cœur de Jacob, Jacob's heart resta froid. Stood still. Alléluia. Remained cold. On est venu dire ton fils, they came to tell you, il your n'est son, pas mort. He's not dead. Il est vivant. He's alive. Quand Jacob a entendu ça, when Jacob heard it, il a dit, he's like, no. Son cœur est resté froid. His heart stood still. Parce qu'il a trop pleuré. Because he mourned for too long. Lorsque ton âme est blessée, when your soul is wounded, ton âme a, tu vois, on vient même te donner encore de nouvelles promesses. You see, you even receive new promises. Mais tu accueilles ça avec une froideur. But then you receive them cold, in a cold manner. Okay. Really? Okay. Donc quand on arrive à l'église, but then when you get to church, demain, you're like tomorrow, and the prophecy Dieu comes. Dieu t'ouvre une porte de travail. The Lord will open a door for you for a job. Alléluia. And then you just say, okay, amen. Quand tu as connu des déchirures familiales, when you have known wounds in your family, ton mari vient te dire, your husband comes to tell demain, you, tomorrow, je t'offrirai, I will give je ferai. You, I will do this. Il s'attendait à ce que tu sautes au plafond. He thought you were going to jump for joy. Tu acquiesces avec une froideur. And then you just coldly. Il dit, mais tu n'es pas content. Et puis, toi-même, tu vas forcer même le content. Là. Tu as dit, hey, c'est vrai, il faut que je sois content. Yes, mon mari, c'est bien. And then you are going to pretend, yeah, I'm happy. C'est pour ne pas le décourager, quoi. It's just not to frustrate sinon, ton cœur. Meanwhile, your heart deep down has grown cold. Tu dis, si ça vient, you're like, if it comes, gloire à Dieu. Glory be si to ça God. N'est pas venu, and if it doesn't, so be avec. It. Life goes on. Un cœur froid. A heart that is cold. Un cœur froid. A cold heart. Froid, hein? A cold heart. C'est un cœur qui n'a plus d'espoir. It's a cold that has c'est un no cœur qui hope. Ne sait plus rêver. That can no longer dream. C'est un cœur qui prend les choses au jour le jour. That thing takes things by the day. C'est un cœur qui n'a plus d'espérance. A heart with no hope that is helpless. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'entends pas bien ton amen. Hein? Can I hear your amen? Ça ressemble à un amen refroidi. It looks like a cold amen. Donne un amen réchauffé. Give a warm amen. On dirait que Corona n'a pas enlevé ta joie. Corona hasn't stolen away your joy. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Glory be to gloire God. À Dieu. Amen. Mais le Seigneur restaure ton âme. But the Lord restores le Seigneur restaure ton âme. The Lord restores your soul. Alléluia. Amen. Lorsqu'un cœur est froid, when il n'est pas capable de donner cold, la joie qu'il avait hier. He's not able to give the joy il of souhaite, yesterday. He wishes, comme la dame dont je parlais tantôt à l'heure, as the woman I mentioned elle earlier souhaite, on, she wishes, mais son cœur est froid. But her heart has grown son cold. Cœur est froid. Her heart has turned cold. Moi, je connais un désert d'arrachement. I have known a desert of painful separation. Lorsque un de nos frères, when one of un de mes fils spirituels, one of my spiritual son, pendant qu'on partait faire son baptême, while we went for his après baptism, le baptême, after the baptism, il nageait un peu dans l'eau, he was swimming in the waters, et il s'est noyé, il est mort. Suddenly he drowned and he died. Tout ce qui était baptême everything that était comme un cauchemar pour moi. Baptism was like a nightmare. Donc quand on évangélise, so when we evangelize, on dit on sera baptisé. We say we're going to baptize. Amen. Suddenly I grow cold. Donc mon cœur est en train de dire, Dieu. So my heart is like, God, please. Ce que tu as fait hier là, pardon. What you've done yesterday. Non, c'est pas toi qui as fait, mais ce que tu as laissé faire là. What happened yesterday, God, please. En fait, quand ton cœur a été blessé, you know, when
your heart was wounded. Dès l'instant où tu veux te réjouir, c'est comme si il y a une mémoire de frustration qui revient à ton esprit et qui fait que tu atterris en même temps dans ta joie, qui dit petit, calme-toi. When you feel like rejoicing, there is a memory of despair that comes and says, alléluia. Amen. On dit, oh, tu viens d'avoir un boulot. Like, oh, you've just gotten a job. Yeah. And you're like, really? Attends, j'allais bien voir. Okay, well, let me go check it first. On va t'augmenter. You're gonna have an increase. Qu'il en soit ainsi. Like, okay, if it comes, so be si it. Vous augmentez, augmentez. Si vous le pas aussi. If you increase, parce well, que vous voulez prendre. Lorsqu'on va mettre notre cœur dans cette affaire. You know when we're going to take this thing at heart. Après, vous allez venir dire non, on t'augmente et puis après on te renvoie. And then you say, okay, we give you an increase and then we dismiss. Donc j'ai déjà vu ça. So it's okay, I've donc, seen that all before. Là, c'est bon. So all the noise. On est venu dire enough. À Jacob. Jacob got the news. Joseph. Joseph. Parce qu'on n'a jamais retrouvé le corps. Because we never found the body. On t'a amené des habits déchirés avec you du sang. Saw the torn apart clothes. C'est toi-même, blood. Papa Jacob, qui a conclu que ton fils était décédé. Yourself, Jacob, came alors to si the on vient te dire qu'il vit, died, so if they come peut-être qu'il faut croire him, un peu. At least, mais son cœur try and believe, est resté froid. But his heart est-ce qu'il y a des gens qui still, dans un domaine ont un cœur qui est refroidi? Who in an area si c'est ton cas, lève la main. A heart that has parce qu'aujourd'hui, il y a un miracle qui est là pour toi. Aujourd'hui, il y a un miracle qui est là pour toi. Aujourd'hui, il y a un miracle qui est là pour toi. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il y a certains, même tellement leur cœur est devenu froid. Ils ne savent pas quel bras. Quand on dit lever la main, il dit parce que moi, ce n'est pas une main. J'ai envie de lever ça, ça, mon pied. D'ailleurs, même, je me jette même pour dire que c'est moi-même. Some people, they don't even feel like raising one hand. They want to raise everything. Mais il y a une puissance qu'on appelle la résurrection. There is a power il y a une puissance en Jésus. There is a power in Jesus. Alléluia. Qui ne va pas te donner la joie que tu avais hier. That qui va te donner mieux que ce que tu avais hier. Give you better than the joy of yesterday. Quelqu'un donne un bon amen. Somebody give a good amen. Parce que quand tu n'as plus d'espoir, because when you have quand no tu ne hope, rêves plus, when you are tu paralyses despair, ta foi. You paralyze et une personne your faith, qui a un cœur froid, and somebody with a cold il n'y a plus heart, trop de très belles choses qui peuvent lui arriver. Not many good things can happen again. Quand ton cœur est froid, when your heart has turned cold, sans espoir, la Bible dit, que celui qui n'a pas la foi ne s'imagine pas qu'il obtiendra quelque chose de Dieu. The Bible says, let he who have no faith. Or, l'espérance, c'est le premier ingrédient de la foi. Yet, hope, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Mais s'il n'y a plus de rêve, si tu n'espères plus, Dieu ne peut hoping, plus rien faire. God can no longer move. Celui qui a un cœur froid se prive du surnaturel de Dieu. Et effectivement, depuis and que le cœur de Jacob est devenu froid, ever since the heart of Jacob turned cold. La vie extraordinaire de Jacob s'est arrêtée. The extraordinary life of Jacob si vous lisez, lisez l'histoire, if you read the story, pendant ces 20 et quelques années qui se sont propassées, during the 20 years that have elapsed, son fils aîné même est parti coucher avec une de ses concubines. Even his elderly son went il y a eu trop de malheurs dans sa famille. So many evil l'onction d'Israël l'avait comme quitté. Had left him. Jacob était en train de survivre. En attendant sa mort. Jacob was barely surviving, waiting for his death to come. Je parle à quelqu'un de la part de Dieu. I speak to someone si from tu es encore God, vivant, if you are still alive, ton histoire ne s'arrête pas là. Your story is not Dieu over a encore yet. Quelque chose de glorieux pour God toi. Has to glorious qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. So shall it be put your hand together. Acclamez le because Seigneur. You believe on it. Parce que vous y croyez. My Bible say, ma Bible dit. My God. Mon Dieu. Will restore. Vous restaurera. My soul. Restaurera mon âme. He restores your soul. Il restaure ton âme. Amen. Amen. For his name's sake. À cause de son nom. Hallelujah. Amen. Are you with me? Est-ce qu'on est ensemble? Are you with me? Est-ce qu'on est ensemble? Hallelujah. Amen. Et quelque chose va se passer. And something will happen. Jacob va pas rester ainsi. Jacob will not remain the same. Et c'est là qu'on va voir. And where we're gonna see now. Hallelujah. Amen. Les différentes attitudes. The attitudes, les quatre secrets, the four secrets pour restaurer une âme to restore qui est déchirée. That has been torn apart. Alors, la Bible dit, and so the Bible donc says, après que ses fils lui aient parlé, première étape, so first ses enfants stage, lui ont parlé, Jacob vit, Joseph vit, pardon, his children said, Joseph mais son cœur alive, est resté froid. But his heart stood still. On continue, nous sommes toujours au verset, on continue, on peut toujours l'afficher. Je crois verset 27, on continue. Verse 27. Il lui dit, maintenant après, il lui rapportait. Dis avec moi, il lui rapportait. Toutes les paroles de Joseph. All the words with Joseph. Amen. Ça c'est important. La première fois, c'était eux-mêmes leur témoignage. It was their own testimony. Papa, Daddy,
Nous sommes 10 frères. We are 10 brothers. Nous te disons que Joseph vit. That Joseph is alive. Ah, je ne crois pas. He's like, I don't believe you. Et maintenant, and then, ils ne se sont pas arrêtés là. They did not stop. Ils sont passés une étape suffisante, une étape supplémentaire. Step. Ils lui ont rapporté ce que Joseph leur a dit. They told him everything Il a dit, Joseph has said. Amen. Ils lui rapportaient toutes les paroles de Joseph. Toutes les paroles que Joseph leur avait dites. They told him all the words which Joseph had said. Je crois to them. Que Joseph avait dit des choses pour que son papa sache que c'est vraiment lui. Du genre, papa, tu te souviens, like, quand j'avais 13 ans, Daddy, un jour tu m'as pris dans la chambre, tu m'as dit telle chose. Aucun de mes frères n'était présent. Donc alive. En tout cas, Joseph a dû révéler des secrets qui étaient que ses frères ne savaient pas. So Joseph told stories that were Et donc quand ils ont commencé à lui dire des choses profondes, so when they began telling him deep things, ça a commencé à faire briller une lueur dans le cœur. Alléluia. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Somebody give a good amen. Et après cela, la Bible dit, il vit the les chars says, que Joseph avait envoyés pour les transporter. When pour les transporter. He saw the cart which Joseph had sent to carry donc, him. Après avoir entendu les paroles de Joseph, so after hearing the les words paroles qui venaient Joseph, directement de Joseph, words coming straight from Joseph, la Bible dit qu'ils lui ont montré maintenant les chars. The Bible says then they turned him to on dit the voilà ce que Joseph nous a donné pour this toi. This is what Joseph has given us for you. Joseph est un grand boss. Joseph is a big man. Et la Bible dit. And the Bible says. Donc il lui rapportait toutes les paroles que Joseph leur avait dites. They told him all the words Joseph had said. Jacob a vu les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. He saw the car which Joseph had sent to carry him. Et on continue, il a dit quoi? And then, c'est alors que l'esprit de Jacob, leur Jacob, père, se ranima. Revived. Alléluia. Amen. Donc l'esprit s'est ranimé. So his spirit La victoire revived. Est venue. Victory came again. Après qu'il lui ait parlé. After they spoke to him. Après qu'il lui ait rappelé les paroles After de Joseph. They reminded the words Après of qu'il Joseph. Lui ait montré les chars. After showing him the cards. L'esprit s'est ranimé. The spirit revived. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a à peu près trois grandes choses d'abord. So there are three great things. Parler. To speak. Rappeler les paroles. To recall the words. Rappeler les paroles secrètes. Recall the secret Alléluia. Words. Et puis montrer les chars. And to show point to the cars. Et l'esprit s'est ranimé. And the spirit revived. Et Jacob va monter dans les chars. And Jacob will get Et ils vont partir en Égypte. And they will go to Et Egypt. La vie de Jacob va reprendre. And the life of Jacob will restore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jacob qui va arriver en Égypte, ce n'était pas le Jacob down, fatigué, broqué. Jacob, fatigué. Non. The Jacob who got to il avait l'onction. Quand il est arrivé, il a prophétisé sur le pharaon. When he got there, he prophesied over l'onction, Pharaoh. L'onction de Jacob. The anointing of Jacob. Après cette histoire, After this quand story, son âme, son esprit s'est réchauffé, when his spirit revived, Dieu n'a pas ramené Jacob à sa dimension d'avant. God didn't take him Dieu to his l'a amené au-dessus de sa dimension d'avant. As before. He Et took aujourd'hui, him far above. Dieu And ne va pas te ramener à ce que tu as perdu. The Lord will not take Dieu you va to aller what you au-delà have de ce que tu as perdu. He will take you far above. Dieu ne va pas te ramener la joie que tu as perdue. He will not bring you the joy Il va you have multiplier lost. La joie que He tu as perdue. Multiply the joy. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas ramener les honneurs qu'on t'a arrachés. Dieu va te donner plus d'honneurs que tu n'avais avant. Dieu te lèvera et te donnera beaucoup plus que ce que tu as perdu. Ce sera la puissance de la restauration. Lorsque Dieu déclare, il restaure mon âme When the Lord declares, he restores à cause my soul de son nom. For his name's sake. Les chars the cards. Sont l'image. On dit qu'il a vu les chars. He saw the cards. C'est l'image, c'est le symbole des marques de l'alliance. It is the symbol of the signs of les the signes covenant. De l'alliance. The signs of the covenant. Quand il y a une alliance, covenant, il y a des petits signes there are signs qui that permettent show à Dieu God, alléluia, de reconnaître. Quand on a traduit les paroles de Joseph, when the words of Joseph à l'intérieur were given, des paroles de Joseph, in those words of Joseph, il y avait des signes you had signs qui ont fait dire à Jacob, they told Jacob ça là, c'est seul Joseph qui peut dire ça. This only Jacob Pourquoi il n'a pas dit you, why did he say? Qu'est-ce qu'il prouve? What proves that he's parce que alive? Ces paroles-là l'ont ranimé parce qu'il a dit ça. The word revived him ça ne peut être que he was able to detect that Joseph. These words can only come Plus from les Joseph. Chars. With the cards. Jacob dit. Jacob said. C'est ce qu'il a dit. Il dit ça n'est assez. He said enough. Maintenant on continue. Let's read on. C'est alors que l'esprit de Jacob le père se ranima. Then the spirit revived. His spirit Et Israël revived. Dit ça n'est assez. Then Israel said it is enough. Joseph mon fils vit encore. Joseph my son is still alive. Vous voyez?
Il n'a pas vu Joseph. See something. He didn't say, see Joseph Il yet. Ne l'a pas vu. He hasn't seen Joseph Mais yet. Les éléments qu'on vient de citer But what we have just listed, l'ont amené à déclarer une chose. Led him to declare this. C'est ce qu'on appelle la déclaration de résurrection. This is what we call the declaration Il a déclaré of la résurrection de Joseph. He declared the Joseph, resurrection of Joseph, mon fils, Joseph, vit my son, encore. Is still alive. Alléluia. J'irai. I will go et je le verrai and see him avant que je ne meure. Before I die. Amen. Alors ça nous fait en tout quatre éléments and so we have four things, qui sont les quatre secrets, which are the four secrets pour restaurer. To restore. Je n'ai pas dit pour guérir. I'm not saying je dis pour heal. Restaurer. I say to restore. Si tu voulais, je vais utiliser le mot pour ressusciter. To resurrect. Pour ressusciter. To resuscitate. Une âme a soul qui a été déchirée. That has been torn Alléluia. Apart. Les quatre secrets que je vais te développer the fourth secret I'm going to teach on relèvent du surnaturel. Are only supernatural. C'est du miracle. Yeah, they C'est are un miracle. Only miraculous. Tu peux consoler quelqu'un qui a été déchiré. Tu peux consoler. Il peut wounded. Pardonner. The person can forgive. Mais le passé qu'il a vécu là But then the past he has va toujours venir hanter son futur. Will always come after Il the faut future. Un miracle. There needs a miracle. There is a Comment need tu vas effacer miracle? De l'âme d'une personne ce qu'il a vécu, qu'il a fait souffrir hier? How are we going to erase the La personne qu'il a trahi, the person who un bon chrétien him. Va lui pardonner. A good Christian un bon chrétien ne sera plus amer. A good Christian will no longer be bitter. Mais lorsqu'un serpent t'a mordu, But then, when you have même un ver de terre once bitten, te fait peur. Twice C'est-à-dire, quand une blessure t'a profondément fait mal, when you were Jésus peut wounded. Te guérir. Jesus can heal Mais you, ça va quand même atténuer ta manière d'être dans le futur. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors pour bien comprendre ces quatre points, so to better understand the four points, l'Esprit m'a plutôt conduit vers une autre histoire. The Spirit led me to another story, où nous retrouvons ces quatre éléments que j'ai cités tantôt. Where we will see the four elements I listed earlier on. Et il s'agit cette fois-ci de l'histoire de Jésus. And this is the story of Jesus. Avec son grand ami Lazare. With his great friend Lazarus. Dans le livre de Jean chapitre 11. In the book of John 11. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? I don't hear you. Je vous entends pas. I don't hear your amen. Je vous entends pas, j'entends pas votre amen. I need a good amen. J'ai besoin d'un puissant amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, en Jean chapitre 11, In the book of John, chapter il est question 11, de l'histoire de la résurrection de Lazare. You have the story of Lazarus who got resurrected. L'histoire commence the story begins en disant qu'il y avait un homme Saying that there was Jean 11, 1, il y avait un homme malade, John Lazare de Béthanie, village de Marie et de Martha, sa sœur. C'était cette Marie qui eut de parfum. Et je saute, je vais au verset 3. Now go into verse 3. On va lire ensemble le verset 3. Let's read together verse 3. Les sœurs the sisters envoyèrent dire à Jésus, to tell Jesus, Seigneur, voici Lord, celui que tu aimes est malade. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus aime tout le monde? Does Jesus love everybody? Jésus aime tout le monde. Indeed, he does. Ou bien toi, Jésus t'aime pas. Or you don't think that Jesus loves you? Quand on dit celui que tu aimes, moi c'est moi. When he says the one you love, celui que I'm Jésus the aime. One. If they say the one Jesus loves, Jésus, c'est moi. Then it's speaking about me. C'est pourquoi quand on parle du disciple que Jésus aimait, which is why le when we disciple speak même of the pas son nom. Disciple that Jesus loved, Il dit, the disciple himself le disciple that que Jésus aimait a mis la tête sur sa poitrine. He says that le disciple que Jésus Jesus aimait. Loved, lay his head on his shoulder. C'est à chacun d'entre nous de mettre son nom là-bas. So all of us, just put your Amen. Name there. Goupéo que Jésus aimait. Il faut être celui que Jésus aime en préféré. Be the one the Lord Alléluia. Prefers. Dieu aime tout le monde. Jesus loves Amen. Everyone. Mais en fait, cette expression est donnée. In fact, this expression is pour qu'on comprenne que Jésus était attaché à Lazare. So that we understand that Jesus really held Dans un autre passage de la parole dear. De Dieu, In another la Bible dit que Jésus aimait. Il aimait. Bible says that Marthe, Jesus Marie, loved il les aimait. Martha, he loved Mary, he loved them very dearly. Donc Jésus, so Jesus, qui aime tout le monde, who loves everyone, était attaché à Lazare. Dearly loved Lazarus. Et Lazare est tombé malade. Lazarus got sick. Et Lazare Lazarus est mort. Died. Pour Jésus, c'est une épreuve For Jesus, it was qui s'appelle épreuve de l'arrachement. That is a trial c'est différent des autres résurrections des personnes qu'il a ressuscitées. It's different from those other Dans l'histoire de Lazare, Jésus a pleuré.
In the story of Lazarus, dans la résurrection de l'enfant de la veuve, Jésus n'a pas pleuré. Mais pour Lazare, Jésus a pleuré. Jesus wept. Parce que Jésus était attaché. Because Jesus' soul was attached to him. Alléluia. Amen. Alors, Jésus aurait bien voulu partir le ressusciter. Jesus would have wanted to mais go comme Jésus ne fait rien sans avoir vu le Père, sans avoir entendu le Père lui demander de le faire, but because Jesus does nothing without hearing Jésus from the Father, a attendu. Jesus waited. Et Lazare est mort. And Lazarus died. Et Lazare était enterré. And Lazarus got buried. Et entre le moment où Jésus a pris la route and in between the time Jesus got pour on his arriver way à Bethany, to get to Bethany, il s'est écoulé 4 jours. 4 days elapsed. Verset 17. Verse 17 says, on va lire ensemble. Let's read together. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Amen. Donc Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. On saute, on va au verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, on y va. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. God will give you. Jésus lui dit, Jesus said to her, ton frère your brother ressuscitera. Will rise again. Alléluia. Amen. Maintenant, regarde la réponse de Marthe. Now, here, je sais, lui répondit Marthe, Martha said to him, I know, qu'il ressuscitera à la résurrection des morts, that he will resurrect in the last day, au dernier jour. In the last day. Verset 25. Verse 25, Jésus lui dit, Jesus said to je suis la résurrection I et la vie. Am the resurrection and the life. Celui qui croit en moi he who believes vivra. In me. Quand même il serait mort, he may die, alléluia, he shall live. Et quiconque vit and whoever et croit en moi lives and believes ne mourra jamais. Shall never crois-tu die. Cela? Do you believe this? Alléluia. Alors ici, mes amis, vous avez deux cas de figure. So here, my friend, you have vous avez l'exemple situations. De Marthe. C'est la catégorie des chrétiens it is the category of believers, of Christians, qui ne vont pas voir leur âme restaurée. Who will not see their soul restored? Parce que ton âme soit restaurée ou pas, ça ne va pas t'empêcher d'aller au ciel. Because whether your soul is que ton âme soit restaurée ou pas, not, ça ne va pas vraiment t'empêcher de servir Dieu. It will not prevent you from mais serving par the contre, Lord if your soul is restored ça or not. Va t'empêcher de servir à une dimension élevée. But then it will prevent you from serving to such a higher dimension. Alléluia. Amen. Le plus important, c'est que tu arrives à pardonner. What matters is that you are able mais to tu peux forgive, pardonner but you can't forgive sans être restauré. Without being restored. Tu peux être consolé you can be sans restauration divine. Without divine restoration. Moi, je te parle aujourd'hui de la restauration I'm divine telling you today, qui englobe la guérison, I'm speaking today la consolation, of la guérison, mais une nouvelle dimension. There is healing, but there is après also a une new perte, dimension. After a loss, après un arrachement, after a snatching. Il y a des personnes, there are people, des filles à qui on a arraché la virginité. Daughters whose virginity was ce sont des snatched viols. Away. Il y en a d'autres à qui on a arraché leurs rêves. Some people, their dreams got shattered. On a tué leurs rêves. Their dreams got shattered. C'est un désert d'arrachement. This is a trial of snatching. Alors maintenant, ils ne rêvent plus. So they no longer ils ont dream. Des petits, et ils ne rêvent pas. Ils sont très pratiques, just pragmatiques. Sliver of dreams. They are les pragmatiques ne peuvent pas avoir une certaine dimension de Dieu. Those who reason all tu the time besoin, cannot get to a certain tu level. Psaume 23, verset 3. You need Psalm que ton 23, âme soit restaurée. That your soul be parce restored. Que ta vie n'est pas finie. Because your life il y a toutes done grandes yet. Choses que Dieu va faire avec there toi. Ne laisse pas come. Les blessures de ton passé venir do paralyser ton futur. Allow the wounds of the past paralyze your future. Tu as pardonné, gloire à Dieu. You have forgiven, mais tu peux glory aller de l'avant. God, but you need to il y a mieux on. Que cela. There is better il existe ahead. Une puissance qu'on appelle la puissance de la résurrection. There is a power called the power of resurrection. Et Jésus-Christ a permis cette histoire and Jesus Christ pour que nous apprenions this. Comment est-ce qu'on déclenche that we learn how to lorsqu'on trigger. Est attaché à quelqu'un ou à quelque chose. When we have clinged onto something que cette or personne somebody. Ou cette chose la part. And that person comment on la ramène à la suddenly vie. Goes how to resurrect it. Même quand cette chose-là est décomposée. Even if this thing has decomposed. Même quand ton histoire s'est passée il y a tellement longtemps qu'on ne peut plus reconstituer. Even if the story happened il y a so une puissance back, de résurrection there is a power of capable d'opérer dans cette situation et restaurer ton âme. Step into this Dieu and a la clé de la restauration divine. God has the key to the restoration. La résurrection de Lazare the resurrection est of Lazarus un des plus puissants miracles de la Bible. Is one of the most powerful miracles in the parce Bible. Que c'est une résurrection because qui a englobé en elle seule trois aspects de la puissance it's de Dieu. Three
in one showing the power of God. On a lu que Lazare était malade. We read that Lazarus was voilà sick. Ce que la résurrection a fait. This is what resurrection did. D'abord, il est mort depuis 4 jours. First, he died for 4 days. Et Marthe va dire son corps sent. And Martha would say that his body ça veut dire stinks. Que le corps de Jésus était rentré en putréfaction, était pourri. Meaning his body had un corps qui est pourri. A body that les is rotten. Potons, les asticots ont mangé des parties. The insect have eaten part of it. Il se décompose. It is disintegrating. Quand Lazare est ressuscité. When Lazarus resurrected. Quand Jésus a dit Lazare sort. When Jesus said Lazarus come out. Il y a eu un miracle de recomposition. There was a miracle of il y a eu d'autres résurrections. Jésus a fait d'autres résurrections, mais le corps n'était pas décomposé. Jesus did other miracles, but the body were not decomposed. Ça veut dire. Meaning les that petits orteils, les ongles que la chenille avait mangé. The nails that were eaten. Quand il a dit Lazare sort. When he said Lazarus come out. L'insecte est revenu avec ça. They came back. The insect came up. Came back with et puis it. Dieu a refabriqué le corps. And Jesus restored dans Lazare sort. Ta vie a été décomposée après ce drame. Tes pensées ont été décomposées après your ce drame. Le miracle de la résurrection qui arrive the dans ta vie. Quand Jésus va coming, dire, Jésus va déclarer, say, ce qui a été décomposé va se recomposer au nom de Jésus. Attends-toi à recevoir un miracle de recomposition. Tu crois que c'est impossible? Je vais te montrer le chemin. Ça dépend de toi. It depends of you. On peut recomposer. It can be Joseph recomposed. Avait disparu depuis plus de 20 ans. Joseph was lost for 20 years. Mais cette histoire que Satan croyait qu'il avait arrêtée. But that story, Dieu l'a ramené. Satan thought he had les stopped. Rêves de Jesus Joseph restored. Sont devenus réalité. Of Joseph Dieu, came reality. Le Dieu que tu pries. God, the God il ne va pas seulement pray, te consoler. He will not il va only te ramener you. Là où Satan pense que tu n'es pas... He will take you to where Satan il te ramène sur le chemin. You. Tu rentres dans ta destinée. He restores you. Avec gloire. You come with your destiny. Avec bénédiction with attachée glory, à toi. With blessing. Alléluia. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Somebody give a good amen. Quelqu'un donne un bon amen. Somebody give a good amen. Donc le Lazare sort, il y a eu recomposition so du corps. Jesus said, Lazarus come out. Le Lazare sort. Got back together. In Lazarus come out. Alléluia. Amen. Il y a eu guérison de la maladie qui l'a fait mourir. There was the healing of the sickness that caused parce que si death. Tu ne guéris pas la maladie qui t'a fait mourir. Because if you do not que heal, quand Lazare allait ressusciter, meaning when Lazarus were going to il allait remourir. He was going to die. Supposons again. Que c'est une tumeur. Suppose it qui is soit a tumor arrivé à son terme. That has come et une tumeur final cancéreuse stage, qui l'a emporté. A cancer tumor that même si tu le ramènes à la vie. To his death. Que even la tumeur est encore là. Life, and elle the va tumor encore is le tuer. It is still donc, going to kill ramener him. Jésus, Lazare à la vie. So bringing Lazarus c'est back en même temps to life, le guérir de la maladie qui avait entraîné sa mort. Time, healing him of the disease that causes quand death. Dieu fait un miracle restauration, when God c'est de ça qu'il s'agit. A miracle of restoration, c'est-à-dire, it means, ce qui a fait que ton cœur s'est... Les blessures, la cause de ta tristesse, the root cause of your ce qui a refroidi ton cœur, what turned your heart cold, avec, Dieu va aller traiter la cause. God will go and deal with avec it. Cette phrase-là. With this Lazare sort. Dieu Lazarus va aller à l'origine du problème. God will go back to the root cause of the problem. Il va pas seulement te faire sourire. He will not only il va cause traiter you to avec smile. Tout ce qui, il va traiter avec he le fond de ta tristesse. Everything il, va, il va enlever le mal qui était dans ton corps. He will rip apart the pain in your body. Et le troisième miracle qui a eu lieu à l'intérieur, and the third miracle c'est that que happened, Lazare sort. Lazarus come out. C'est aller chercher l'âme de Lazare dans le séjour go des morts. Taking the soul et ça l'a ramené son souffle Lazarus dans son in jail corps. And give back the breath of life in his amen. Body. Amen. Aujourd'hui, tu es sur le point d'être visité par ces today, trois choses. Quel que soit ce qui visited, est mort dans ta vie, no Dieu va le faire. In your life, God Dieu va will le faire. Do it. God will alléluia. Do it. Amen. Alléluia. Amen. Alors, entre Marthe et Marie, so les Martha deux sœurs, il y a eu deux sisters, attitudes différentes. There were two different attitudes. Il y a une attitude. There is one attitude. Vous savez, Marthe est une croyante. You know, Martha, she's Marthe a believer. Croit en Dieu. Martha believes mais elle a in un God. Type de foi but she has a kind of qui n'entraîne pas la résurrection. That doesn't bring the resurrection. Et Marie a un mari, sa sœur, sa petite sœur. Elle a une autre manière de voir Jésus she had another way qui of provoque la résurrection. Jesus, aujourd'hui, that would the resurrection. Si tu veux voir la main today, de Dieu, ce que je dis s'accomplit. What I want, il ne faut what I'm pas saying que tu sois Marthe. Don't be Martha. Sinon, Martha est une bonne chrétienne. But Martha, she's a good Christian sister. Mais but elle n'a pas le niveau de she foi doesn't have the level of faith qui déclenche cette résurrection. That will trigger the resurrection. Et tu vas te rendre compte que and you will realize that Jésus même va la laisser. Jesus will leave her aside. Parce qu'elle n'était pas la personne qui savait déclencher cette foi. Because she wasn't the person who could alors, trigger dit, the faith. And so the story says quand Martha est arrivée la première when Martha got first to Jesus. Amen. Amen. Tu sais, les pensées Marthe you know, sont les premières choses qui vont like t'animer. Martha, les idées,
je veux dire quoi, Martika, Martika. The Martha-like thoughts. Les idées marticisantes. The Martha-like kind of thoughts. Doivent quitter ton cœur. You have to get la rid mentalité of them. Martique. The Martha kind of mindset. Marque quelque chose, tout ce que tu veux. Whatsoever Martha kind of. Dis mentalité martique. Say Martha kind of thoughts. Je renonce à toi. I deny you. Je veux la mentalité quoi? Marisique, maritique. I want the Mary kind of mindset. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Amen. Amen. Alors Jésus dit. And so Jesus said. Jésus dit à Marthe. Jesus told Martha. D'abord Marthe commence. Elle dit, oh Jésus, si tu étais là, mon frère serait. Oh, tu allais le guérir. Lord, if you were donc, here, elle sait que Jésus heal. A le miracle. Elle croit au miracle. So she believes in miracles. She knows Jesus couldn't have done it. Mais elle dit, mais même maintenant même. Said, tout ce que tu demandes à Dieu va te l'accorder. Everything you ask God, verset 22. Tout ça c'est Marthe qui 22. Parle. Amen. Laisse ça en médaillon parce que je vais commenter longtemps. Voilà. Il dit, Jésus lui dit, ton frère va ressusciter. Your brother will resurrect. Jésus, Marthe lui répondit, oui, il va ressusciter au dernier jour. C'est-à-dire, les chrétiens martiques, c'est des gens qui croient que la vraie consolation, c'est à la fin du monde. Sinon, tant qu'on est sur la terre, so long as we are on earth here, c'est qu'il y a des choses qui ont été déjà scellées. Faut passer à autre chose. Faut avancer. Let's move on to something la manière else. Dont ton couple est là. The way your couple is, please. C'est-à-dire que ton couple est sans joie. Il n'y a pas de bonheur. Toi, la personne si joyeuse, tu n'es plus joviale. No you bon. Used to be so happy. Quand Jésus va venir, ça sera like, mieux. Okay, when Jesus is gonna come, regarde, it's gonna tu be travailles même plus avec de l'énergie. See, aujourd'hui, tu as ta propre boîte. With energy. Today you have your mais toute own ta company. Force professionnelle but est partie. All strength is gone. Ton intelligence, tu l'as. Parce que tu avais donné telle intelligence à des gens et ils t'ont arraché. Ils ont abusé de tout ce que tu donnais. You gave your intelligence and people abused of it. Donc en fait, tu te dis, bon, frère. And so you think to yourself, bon, vivons comme ça, quoi. Okay, let's just live life as it is. Si il est mort, il est mort. If he died, so be it. Okay, let's move on. Dans la vie, on n'a pas tout. In life, we can't get everything. Ce qui est fait est fait. What is done is done. Il faut savoir aller de l'avant. Let's just move on. Il y a des fois. There are times pour que ton âme soit guérie, for your soul to restaurer. Be healed and restored, il faut aller traiter avec ce qui t'a détruit hier. You need to go and deal with the root cause. And this Jésus is what dit, Jesus je suis la résurrection. Jesus says, I am the resurrection. M'a dit à la fin du monde. And Martha speaks of the last day. Verset 25, Jésus lui dit, verse 27, Jesus says, ce n'est pas la fin du monde. It is not je suis la the résurrection last day. Et la vie. I am the resurrection. Celui qui croit en moi vivra life. Quand même il sera mort. He who believes in me, though verset 26, he may die, he may shall live. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Do you believe this? Regarde la réponse de Marthe. Lisons. Read Martha's answers. Elle lui dit, she says, lisons ensemble, 1, 2, 3. Let's read. Oui, Seigneur, yes, Lord. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devrait venir dans le monde. Est-ce que c'est ce qu'on lui a demandé? Is that the question she was asked? Jesus asked her, est-ce que tu sais que je ressuscite? Do you know that I resurrect today? Elle dit oui, Seigneur. She's like, yes, tu es le Christ, I do. You are the Christ, le Fils du vivant. The Son of the living God. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il y a qui déplace les problèmes. You know, there are some people that will switch Amen. Issues around. Tu es le Christ. You are Jésus, dit, Jésus demande, est-ce que tu crois? Jesus asks, do you believe que je suis la résurrection? That I am the resurrection. Marthe dit non. Elle n'a pas dit non parce que tu n'as pas contesté Jésus. She didn't say il n'y a personne no, qui va contester. La mentalité to, de Marthe ne conteste pas Jésus. She didn't want to contain, mais to ils trouvent des faux fuyants. Ils ont then, des échappatoires. She will find ways around des échappatoires spirituels. Smoke screen answers. Ils refusent d'affronter le problème en face. They refuse to face the issue. Elle refuse de lui demander, es-tu en train de dire que tu vas ressusciter Lazare après 4 jours? She refused to say, are you going to resurrect Lazarus after 4 days? Est-ce que tu peux me dire Jésus? Is that what you're trying to tell me, Jesus? Jésus lui répondit, oui, c'est ce que je vais Jesus faire. Says, mais elle a évité, il ne faut pas do. Que Jésus dise quelque chose. Then, et puis il ne va pas faire. En tout cas, she avoided the question. Let me not ask. Regarde, puis, in case he doesn't do elle dit, it. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils yes, du Dieu qui devait venir sur la, dans le monde. Verset 28. Et ayant ainsi parlé, things, elle s'en alla. She went her way. Jésus t'a posé une question, tu lui réponds, attends, il va te donner la suite. Jesus questioned you. Wait for his response. Christ, le Fils, yes, you know you are the guy, you are the one. Jésus. Okay, Jésus. Jésus. Jésus s'en see you, see you. Il veut m'amener dans une histoire. Moi, je suis en so deuil. She's like, that kind of question, you know, I'm bereaved, and he's asking me. And so she's like, Fils de Dieu. Yeah, yeah, I know. Si tu eusses été ici, if you had been here, mon frère ne serait pas mort. My brother wouldn't have died. Ça, c'est quel temps, ça? Si tu eusses été ici, if you had parce qu'Abinam a dit, si tu étais là, elle à la fin, qu'on quoi? Si tu eusses été, she les professeurs de français, où vous êtes? A complicated kind of sentence. T'as dit quoi?
Le passé antérieur. Tu es sûr, hein? Il n'y a pas un subjonctif là-dedans, façon. Frère, il ne faut pas gâter ton nom. Si tu uses. Si c'est un complicated kind of sentence. Vous avez oublié vos cours de classe. Si ton maître de classe te voit, quelle déception. Ça va faire un désert d'arrachement. Je me suis attaché à t'enseigner tous ces cours. After teaching you all et le pasteur Paul, si tu eusses été, tu ne peux pas me dire de quel temps il s'agit. C'est quoi? Le quoi? Bon, je crois qu'il y a une soeur qui connaît là-bas, mais je n'entends pas bien d'ici. Conditionnel passé. Plus que parfait. C'est ça? C'est pas ça, hein? Bon, les gars, laissez, si vous flashez comme moi. Amen. Vous savez, il y a des choses qui déchirent les cœurs de nos enseignants à l'école. You know, there are certain situations that really rip apart. Les profs qui sont ici, ils sont en train de vivre un désert d'arrachement. The teachers here in this room, they après are really dans l'école. After so many years of teaching you. Tous les enseignants, pardonnez-nous. All the teachers, please forgive us. We're not able amen. To. Il sait qu'il y a des gens qui répondent sur Internet là-bas. Vous aussi, les gars, voici la réponse ici, c'est celle. You have people who may be answering on the Internet. Bon, ok. Non, il y a des gens qui ont donné la bonne réponse, mais bon. Some people have given the correct pas bien answers. Entendu. Alléluia. Hear it clearly. Alors, donc, quand elle continue l'histoire, so we go et ainsi parlait, s'en alla, puis and so she went her way. Elle appela secrètement Marie, sa sœur, and secretly called Mary, et dit, Jésus her sister, est là, le maître est ici. The teacher has come. Alors, quand Marie a entendu cela, elle courut, elle allait vers Jésus. And when she heard, she ran to Jesus. Verset 32, lorsque Marie fut arrivée là, now, when she got où était Jésus Jesus, et qu'elle le vit. And she saw him. Vous voyez la différence entre Marthe et Jésus, Marie. You see the difference between Martha quand and Mary. Quand Marie a vu Jésus, when elle Mary s'est prosternée. Saw Jesus, she bowed down. Elle s'est prosternée. She bowed down. She worshipped. Marthe, quand elle a vu Jésus. Martha, when she hey, saw Jésus. Like, oh, Jesus. Si tu eusses été. If you had been here. Marthe, quand elle arrive. Marie, pardon, quand elle arrive. Mary, when she comes. Même si elle ne comprend pas. Even en fait, le si tu étais là, c'était un petit reproche quoi. You know that like if you had been here, it was genre, a kind ça fait, of reproach. Ça fait combien de gens t'as prévenu? It's like you were told before that he was sick. Quand il était malade là, on a envoyé t'informer. When he was sick, you got news si of it. Si tu étais venu un peu plus vite. If you had come just a bit earlier on, guéri. He would have been healed. Hey, Jésus. Ah, donc quand Jésus a commencé à trop parler, en fait elle était un peu fâchée, mais elle ne veut pas dire. So she even got crossed when Jesus Marie started arrive. Talking. But then Mary elle dit la comes, même chose. Lorsque Marie fut arrivée là, arrived, et qu'elle lui dit, elle tomba à ses pieds him, et lui dit, Seigneur. Donc c'est la même prière. And she said, Lord. Allons-y, avançons. Elle dit, Seigneur. She said, Lord, avançons. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Here, my brother would not c'est ça, have voilà. Died. On continue. Jésus la voyant pleurer, elle et then les Juifs Jesus qui étaient venus avec elle, weeping, and the Jews who came with frémit her. Dans son esprit. He groaned in his et il fut tout ému. And was troubled. Ça veut dire, le fait meaning, qu'elle ait dit ça à Jésus, that the fact that she mais dans un esprit d'humilité. Jesus, but in a spirit of humility. Quand Marthe a parlé, Jésus n'a pas frémi. When Martha pourtant, spoke, les deux ont posé la même Jesus did not groan. Question. Yet, both of them au même asked temps, the si tu eusses été ici, en tout cas, les deux dames, elles aiment cette conjugaison. Amen. Those si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Et puis on avance. Here, Jésus died. La voyant pleurer, elle et les Juifs and qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. On avance. Spirit, et il dit, où l'avez-vous said, mis? Seigneur lui répondit-il, viens et vois. And et said, puis, Lord, come and see. Notez bien, Jésus and then, pleura. Jesus wept. Alléluia. Alors déjà dans cette dernière phrase qu'on vient de lire, se trouvent déjà deux grands secrets. There are two secrets hidden. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Alors voyons-le rapidement. So let's go through quickly. Jésus a pleuré. Jesus wept. Jésus a eu mal. Jesus got hurt. Pour déclencher une restauration. To trigger a restoration. Il faut libérer son cœur et puis pleurer. Release your hearts and cry of the pain. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quand une situation te fait mal. When a situation hurts you deeply. Quand ton âme a été déchirée. When your soul was torn apart. Il faut autoriser ton cœur à pleurer. Allow your heart to weep. Dieu a créé les larmes. God created the tears. Les larmes sont un premier moteur the tears de guérison du cœur. First factor of the healing. Dans nos cultures, et c'est culture, une erreur, on a l'impression que pleurer c'est pour les faibles. Weeping ne pas pleurer, c'est les durs. Attributed ce to n'est the pas weak. Vrai. And when you don't cry, you are told you are les strong. Larmes it is not true. Permettent weeping de garder le cœur chaud. Will keep your heart warm. Les larmes weeping
vraiment, ce que tu as perdu, la trahison Because que tu as subie, ça fait mal. That betrayal hurts. Tout détachement, tout arrachement fait mal. Every snatching is painful. Et vous allez voir des personnes qui, dans la douleur, And you will see people in vont rentrer pain. Dans un déni. They will go into a denial. Oh, le monsieur, il a perdu sa femme. Oh, he lost tout his le monde wife. Pleure, mais lui, il ne pleure pas. Everybody's crying, he's not crying. Et c'est lui seul qui console tout le monde. And he's the one comforting everybody around. Ça va aller. Oh, it's okay. On dit, non, it's mais l'homme well. Est dû. And like, pour Dieu, this guy il n'est pas strong. Dû. For God, Parce que he is not après strong. Ça, Because after son this, cœur va devenir froid. His heart will turn cold. Il ne va pas se rendre compte, mais il va commencer Without à avoir un cœur dur progressivement avec le temps. Heart will harden as time goes by. Dieu a tout créé pour un but. God has created everything for a purpose. Il a créé les larmes He has created the tears pour qu'on soit consolé. So we can be comforted. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on te fait perdre ton travail injustement, When you lorsque lose les gens, job, ça dit que ta dignité, ton honneur, When your ton dignity, argent, your tes biens honor, te sont arrachés, has stripped away from you. Viens devant Dieu. Maintenant, comment pleurer? Come before God. Il y a des pleurs qui, au lieu d'entraîner le miracle, peuvent entraîner des problèmes. You have the kind of weeping instead of Jésus a pleuré, miracle, je le crois, parce qu'il Jesus était attaché à Lazare. I believe because Lazarus Il y a certains qui disent qu'il a pleuré parce qu'il a vu que les gens étaient incrédules. Because he saw people were incredulous. Personnellement, ce n'est pas mon avis. Personally, I don't believe Amen. So. Je crois qu'il a pleuré parce qu'il était simplement attaché. I believe he cried because he loved Lazarus. Mais pourquoi Jésus qui sait qu'il va ressusciter Lazare? But how come Jesus knowing that he's pourquoi going to resurrect pleure-t-il? Lazarus? Why is he crying? Si Jésus pleure malgré le fait qu'il soit conscient que Lazare va revenir à la vie, If Jesus weeps, yet c'est pas he knows pour that montrer Lazarus que c'est normal de le faire. It is to show that it is normal. C'est le weeping. Plus petit verset de la Bible. This is the shortest Jésus verse pleura. Of the Bible. Jesus Ça veut dire Meaning, c'est important pour nous qu'on sache que Jésus en tant qu'humain lui aussi pleurait that Jesus as a human et qu'on comprenne weeps. Que pleurer c'est bien And so we have to understand mais that bien weeping pleurer is necessary, but we need to weep the right way. Amen. Amen. Et pleurer dans la bonne direction And weep in the right direction. Parce qu'il y a des larmes qui peuvent entraîner la colère de Dieu Because they are weeping that can bring si tu as un désert d'arrachement tu as perdu quelqu'un et If tu viens pleurer comme ça desert of snatching, oh, and you want to cry in this way, qui va payer mon loyer who's gonna pay for my qui rent? Va payer mon loyer who's gonna pay for my rent? Ça c'est pas des bonnes larmes These are not good weeping. Ça veut dire que tu ne pleures pas parce qu'il est parti you are not weeping tu pleures parce gone. Que ton loyer est en danger you are weeping because you don't know who's gonna pay for your rent. Tu pleures parce que ton ventre est en danger. Je parle de l'attachement à quelqu'un qui t'a fait partie, pas l'attachement à ce que la personne te donnait. That bondage to somebody you hold on Est-ce qu'on est ensemble? Are we Est-ce together? Qu'on est ensemble? Are we together? Alléluia. Amen. Et c'est là qu'intervient maintenant la première marque And de l'alliance. There we see the first sign of the covenant. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Le premier élément qui va entraîner la résurrection, la guérison de ton âme the first et factor. La restauration C'est un travail donné par le Saint-Esprit. That would trigger the restoration of your soul is a Lorsque work done Jésus by annonce the Holy pour la première fois aux disciples que le Saint-Esprit va venir, When Jesus for the first time announces Jésus donne that the un nom très spécial au Saint-Esprit. He gives a very specific name Jean to the chapitre Spirit. 14. John 14. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le premier This secret, why the first secret, c'est accepte la consolation you need to accept the comforting du Saint-Esprit. Of the Holy Spirit. Autrement dit, il faut pleurer, In other words, you need mais il faut to rechercher weep, la consolation du Saint-Esprit. You need to seek after the Alléluia. Of the Holy J'ai dit à quatre secrets. Le premier secret, c'est accepte la consolation. Secret, the first secret, you need to accept si the vous souvenez le texte que j'ai lu, the text we read, en tout premier, the very first la Bible one, dit que Jacob a refusé la consolation. We read that Jacob refused C'est parce qu'il a refusé la consolation que son cœur s'est refroidi. Alléluia. Donc, Jésus-Christ a accepté la consolation. So Les gens ont accepté la consolation. Mais qui doit te consoler pour que ce soit efficace? Le Saint-Esprit. Jean 14, verset 26, Jésus dit, lisons ensemble, 1, 2, 3. Let's read together. Mais le But Consolateur, the Comforter, l'Esprit Saint que le Père the Holy Ghost, enverra en mon nom, the Father, vous enseignera name, toutes choses. Alléluia. Teach you all things. Alléluia. Amen. La première fois lorsque Jésus so promet le Saint-Esprit time, aux disciples, il leur dit le Consolateur. The Comforter. Pourquoi il ne dit pas la puissance? Why is not saying the powerful? Présenter le Saint-Esprit comme étant un consolateur, Introducing the Holy Spirit ça veut dire que le comforter. Premier travail du Saint-Esprit dans la vie des gens, it c'est de guérir les âmes blessées. It is to heal the broken hearted, Est-ce que vous me suivez? The broken souls. Alléluia. Amen. Donc,
quand tu as perdu l'estime, un ami, un proche, un parent, a friend, a relative, a pleure. Parent, cry, weep. Mais pleure devant le Saint-Esprit. By weep before en disant, Esprit Spirit. De Dieu, c'est trop dur. Say, Spirit of the living God, it is Esprit de too Dieu, ce qui hard. J'ai perdu là, c'est trop difficile. The person I have lost, it is too difficult. C'était ma meilleure amie. That was my best C'était friend. Mon meilleur ami. That was my best friend. Jésus, c'est dur. It is tough, Lord. It Seigneur, is tough. J'ai donné tout à cette entreprise. Lord, I invested everything Et comme ça, Dieu me renvoyait comme un... And suddenly I just get dismissed. Mais quand oh tu God. Pleures, But when you weep, recherche celui qui va te consoler. Seek after the one who can comfort Parce que c'est you. Sa consolation qui Because va provoquer la, le miracle. It is his comforting c'est pas la consolation that will des hommes. It is not attention. The comforting Amen. Of the man. Amen. Of men. Alléluia. Amen. Donc, pour avoir la restauration miraculeuse de Jésus, so to have the miraculous restoration from il faut utiliser Jesus, la première marque. The first sign. De notre alliance. Vous savez, c'est le Saint-Esprit. Hein? You know, it's the Holy Spirit. La Bible dit que parce que nous avons cru en Jésus, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. The Bible says because we believe qui crie in Jesus, en nous, Fils de Dieu. The Lord has given Il dit, vous the avez été scellés, marqués par le Saint-Esprit. The Bible says we were sealed Lorsque by Jésus the Holy Spirit, a été revêtu du Saint-Esprit, when Jesus was clothed dans le monde invisible, Spirit, quand les démons voyaient le Saint-Esprit sur lui, ils disaient, tu es le Fils de Dieu. When they saw the Holy Donc, Spirit le over Saint-Esprit, him, they said, you are the son of God. C'est une marque so the Holy Spirit is qui est visible a sign dans l'invisible. That is posted in, and seen in the Et c'est ça que tu utilises. And this is what you use. L'Esprit de Dieu, ça me fait trop mal. The living God, this is hard. Ah Dieu. Oh God. Papa, c'est compliqué. I hurt deeply. Donc même si le décès, la douleur, l'arrachement s'est produit il y a 40 ans, pleure devant le Saint-Esprit. Weep before the Holy Spirit. Dis cet esprit, j'ai encore mal. Say, Holy Spirit, I still hurt. Et quand tu vas appeler le Saint-Esprit en mode consolation, and when you will call the Holy Spirit as a comforter, pas en mode don spirituel. Not in, parce que le Saint-Esprit donne aussi les dons spirituels. Mais n'oublie pas Because he also que la première fois où Jésus te le promet, But do not forget, the very il dit, first je time the Lord promised, he says, I send Parce you où tu es, the comforter. Tu fais comme si tu es dur. Because you pretend as though you are strong, but then your soul is torn apart. Avant d'avoir tous les dons spirituels, Before having all the spiritual laisse gifts, qu'on te console. Allow the spirit to comfort Ton âme you. Est déchirée. Your soul tu joues is torn apart. You pretend you are strong, but your soul is torn Dis apart. Dis, Saint-Esprit, viens me guérir. Say, Holy Spirit, come and heal Dis, Saint-Esprit, aide-moi. Holy Spirit, help me. Et puis pleure devant l'Esprit de and Dieu. Weep Dis-lui God. Que ça ne va pas. Dis-lui que tu es déboussolé. Dis-lui que tu as perdu tes repères. Dis-lui que tu ne sais pas où aller. Dis-lui que tu es dans la confusion. Dis-lui combien de peuples perdent ton travail, le seul travail que tu avais. Tu ne sais pas où aller. Pleure devant lui. La seule personne qui t'avait promis un mariage t'a laissé. Dis-lui ça. Who promised marriage betrayed you. L'enfant que you. Tu as porté 8 mois, on the vient te dire maintenant que l'enfant est mort-né. Ça fait mal. C'est un arrachement. It is difficult. Dis-lui que ça te fait mal. Tell the spirit that it is tu as le droit de pleurer. You have the right le frère to qui t'avait promis un mariage est venu te dire non, c'est fini, il va ailleurs. Ça fait mal. Il faut pleurer says, devant le Saint-Esprit. Il ne faut pas pleurer devant le frère he qui t'a trahi. Hurts, va devant Dieu. Before the Holy Spirit, not devant before the brother who betrayed. Weep before Et the Holy Spirit. Jean 14, 26, il va And vous consoler. Il dit ceci. Regarde, tu vois, à partir de quand la vigueur a commencé à revenir dans Jacob, lorsqu'il a entendu les paroles de Joseph, voilà ce qu'il dit. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses Amen, virgule et on lit encore il fait quoi et vous rappellera tout ce que je vous ai dit vous voyez c'est ce qui s'est passé dans le cœur de Jacob Joseph a dit Joseph had said des choses que lui et son père savaient il a dit à ses frères He told pour que papa brothers, sache que c'est moi. For daddy to know that I am the one. Dites-lui ça. Tell him this specific story. Et la Bible dit quand les frères ont And expliqué à papa, says, ils ont dit à papa, Joseph vit. Son cœur est resté fort. Mais son esprit s'est ranimé. But his spirit revived. Lorsqu'ils ont rappelé quelque chose de profond entre eux. Deep, a secret Et puis après, that lui was known to both of them. And be, then they Quand show him tu appelles le Saint-Esprit, when you call the Holy Spirit, il arrive. He comes. Et il va commencer à te dire des secrets entre Dieu et toi. Remembering secrets between you and God that nobody else knows. Toi là, avant que tu ne laisses Dieu te connaître, before you were born, the Lord knew il y a un plan sur ta vie. There is a purpose for your life. Sur ta vie. There is something over your life. There is a project over your life. Tu sais, tu n'es pas tout le monde. Tu es spécial. You entre Dieu et toi, anybody. Il y a une relation spéciale. Mais between you and God, un homme ne peut pas t'expliquer. Parce que ta no vie n'est que souffrance. Il faut que toi et Dieu vous rentrez dans un secret. Pendant you que tu es en train de pleurer, il va te dire.
while you are with me, and he will tell you something between both of you. Cela, and when he will remind you those things, ça va commencer à te donner, then ça va être le démarrage it will warm you up. Ça va être le démarrage de quelque chose. Warm you up. Avant qu'on ne te trahisse, before you avant que betrayed, tu ne perdes, before avant you qu'on ne t'abandonne, before entre you Dieu forsaken, et toi, il y avait quelque chose. Peut-être qu'il y a des choses qui sont produites même dans ton enfance. There are things that happen in your childhood. Un secours étrange de Dieu qui t'a sauvé. A hand of the Lord came to rescue you. Et Dieu vient te l'expliquer. And God comes to remind c'est pourquoi you. Which is why, même quand tu pleures en écoutant les autres, faut pas regarder weep, parce qu'il y a des choses qu'ils peuvent pas savoir. Do not consider men que Dieu seul things sait. They are unaware of, et il va te that only God knows. Quand tu vas dire and cet esprit, je n'en peux plus. Cet esprit, je suis fatigué. Cet esprit, la vie ne vaut plus la peine d'être vécu. Cet esprit, cet esprit, cet esprit, je vais abandonner. Cet esprit, je vais relâcher. Papa, la vie est trop difficile. Tous mes espoirs sont déçus. I become helpless. The Holy Spirit will take you along. Et he said, come. And he will show you something. Va dire, entre toi et moi, il y a une he will say, between you and I, there is an old age covenant. Est-ce que tu te souviens que c'est un moment, on t'a pas do dit qu'on devait t'aborder? Haven't you been told that you were supposed qui t'a préservé, to be aborted? But who kept you qui alive? Gardé, is it moi? An eye? I was c'était the one. Tu as vu quand tu es arrivé ici? Tu as vu ce qui t'est arrivé? Comment je t'ai protégé? Here, you see c'est how moi. I protected you? It on was a une me. Histoire, ça. We have a story together. Et ça? And ça va, this ce sont des secrets. Are secrets between both of you. La Bible dit que the Bible says, quand ils ont rappelé à leur père when they recall toutes les paroles de Joseph, all the words Joseph had said, ils ont, Joseph, Jacob a commencé à, Jacob became, à son esprit a commencé à revivre. His spirit became warming up again. Ça c'est le travail du consolateur. This is the work of the comforter. Amen. Amen. Ça c'est le premier secret. This is the first secret. Laisse-toi consoler par le Saint-Esprit. Allow the Holy Spirit to comfort you. Et puis Jésus va dire, and then Jesus will say, deuxième secret, second secret, il va poser la question. He will ask this question. Jésus va dire, où l'avez-vous mis? Dis avec moi, where où l'avez-vous mis? Have you placed him? Où l'avez-vous mis? Where have you placed ça veut dire, où est-ce que vous avez enterré Lazare? Where have you buried Lazarus? Où l'avez-vous enterré? Where have you buried tu sais, Dieu him? Sait tout. You know, Jesus Jésus aurait pu aller là-bas, Jesus could have aller directement sous la révélation de l'Esprit, voici le tombeau de Lazare sort. Non. There is the grave. Lazarus Jésus leur out. Dit, no, Jesus asked, où l'avez-vous mis? Where have you buried him? Le deuxième secret the second pour ressusciter ton âme to resuscitate your soul, se trouve, il faut que tu localises you need to locate l'endroit où tu as enterré the place tes rêves, where you have ton mariage, buried. Your dream, il faut que tu dises à Dieu marriage, où, you need to find où tu as mis ton Lazare. Where is the root cause? Where you have placed your Lazarus? Où l'avez-vous mis? Where have you placed him? Et la Bible dit. And the Bible says. Alléluia. Amen. Là, on peut donner le verset. Où l'avez-vous? Je crois que c'est 11 combien là? Amen. Voilà. Il lui dit, où l'avez-vous mis? Where have c'est you très important. This is et ils vont conduire Jésus and à l'endroit. C'est là que Jésus va arriver devant le rocher. Et que le troisième secret va s'accomplir. Rock, le deuxième secret, c'est où l'as-tu mis? The second secret is tu sais, where have you placed il est him? Important quand le Saint-Esprit est venu vers toi. It matters when the Holy Spirit que tu dises à Jésus that you tell Jesus, la joie que tu as perdue. The joy that I have quel lost. Jour, quand, à peu près, dans quelles circonstances tu dois pouvoir dire, papa, such circumstances en 2003, you should be able to point out and say Lord in 2003 je m'étais attaché à ce frère. I had clinged on to this brother c'est depuis ce temps-là, and it is from quand j'ai vu qu'il m'a this laissé, il est parti prendre une autre, when he betrayed me for another one que les hommes that now m'ont blessé. I hurt because of men mon amour I have buried my love en 2003 in 2003 il faut que tu montres you need to point out Jésus Jesus c'est dans telle entreprise it is in such company que ma joie du travail the joy, the zeal a été enterrée. Jésus, snatched away. Jesus, c'est dans telle voilà les circonstances. It is in such circumstances. Seigneur, Lord, je comptais sur mon Père. I relied on et c'est my le father, jour où il s'est arrêté devant moi pour dire and it is the day he stood in front of tu me n'es pas ma fille. And told me, you are not my daughter. Ce jour-là, il m'a arraché quelque chose. That day he snatched something out of c'est my là heart. Que j'ai enterré ma relation. This is when I buried my relationship. Fille, fille, père. Father, daughter, ce jour-là, je n'ai dit je n'ai plus de papa. On that day, I said to myself, I no longer have a mon father. Frère, où my est le cadavre? Brother,
Where is the corpse? Demande à ton voisin, où est le cadavre? Ask your neighbor, where is the corpse? Où l'as-tu mis? Where have you buried it? Where have you buried it? Où est-ce que ton amour s'est éteint? Where did où est-ce your que ta joie a disparu? Quelles sont les circonstances qui t'ont entraîné à être ce que tu es devenu aujourd'hui? Où tu n'as plus de joie? Depuis quand est-ce que tu commences à être en larmes? Depuis quand est-ce que, dès que tu es seul dans la maison, tu as envie de pleurer? Ça a commencé quand? Since when has it all begun? Quelle this despair? Période et circonstances as-tu enterré which ta circumstances joie? Have you buried your joy into? Jésus te demande ce jour. Jesus is asking you today, où est ton Lazare? Where is your Lazarus? Alléluia. Amen. Et tu dois conduire Jésus là-bas. And you have to lead Jesus. Tu dois amener Jésus dans ton passé. You have to walk Jesus. Tu dois amener up to your Jésus. Past. Il y a des gens qui ont plusieurs cadavres. There are people that have so many corpses. Cadavres professionnels. Professional corpses. En 2011, j'ai enterré le travail I ici. Buried the work here. J'ai eu une déchirure. I had a hurt. Avec mes parents. I had an issue, a strife with my parents. Quand j'ai su que ma mère voulait me manger en sorcellerie. When I knew my mother wanted to eat me through witchcraft. Jésus, c'est en 2011. I buried this in 2011. Et puis tu montes à Dieu tout, même s'il y a 50. You point out to God, even if you have 50 tombeaux. 50 graves. Il faut les lui montrer. You need to point out. Le deuxième secret. So the second secret. C'est de localiser, d'aller avec Jésus pour localiser l'endroit où la circonstance, les situations. The place. Tes espoirs, ta force, ton énergie est partie. You all fainted. Où l'avez-vous mis? In your strength and le your troisième secret, the third secret qui va faire intervenir le deuxième élément de l'alliance. Will bring about the second le deuxième symbole de l'alliance, the c'est le nom de sign Jésus. Of the covenant is the name of Jesus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors Jésus arrive devant le tombeau. And so Jesus got to the tomb. Et quand Jésus regarde le tombeau, and when he looks at the tomb, il dit ôtez la pierre. He says remove the stone. Dis à ton voisin, ôte la pierre. Tell your neighbor remove the ôte stone. La pierre. Remove the stone. Alors c'était une grotte and devant so laquelle on mettait un gros rocher. Where you had a big stone lorsqu'on a mis covering, le rocher là-dessus, when the stone covered the ça veut dire entrance, que c'est scellé. It is sealed. Ça veut dire que c'est fini. It means that it is all c'est comme done. La pierre tombale. It is like the c'est stone comme that covers la couverture. De, c'est comme si tu as enterré le mort. When you have buried et the tu as mis dead du sable covered, sur lui. You've placed sand on it. Le rocher the rock, the représente represents les raisonnements. The reasoning qui font que tu ne t'attends plus à ce qui ressuscite. That causes you no longer to expect. Alors tu any vois Martha avec le rocher. So you see Martha. Regarde. With the stone. Quand Jésus a dit, donne-moi le passage. Quand Jésus a dit, ôtez le à pierre. When Jesus said, remove. Jésus the dit, ôtez la pierre. Jesus said, remove. Regarde. Qui the répond stone? Encore? Look who's Martha. Les chrétiens, Martha. Les gens martyrisés, martyricatés. Kind of Christians. Martha, la sœur du mort. Martha, the lui sister dit, of the dead. Seigneur. Him. Lord, il sent déjà. He smells car il already, y a quatre jours for qu'il he's est been là. Buried for elle fait un coup days. Comme si Jésus ne savait pas. So she, et t'expliquer, tu she vois. Speaks as though Jesus après un is jour, not ça aware. Peut passer. You know, after one day, deux jours, mais là, it's si tolerable. Tu ouvres là. But then, after four days, if you roll on va up tous aller se laver parce que ça va piller ici. It will stink hard. On continue la lecture. We keep on reading. Verset d'après. Verset suivant. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit and que Jesus si tu said, crois, tu verras la gloire believe, de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Et les gens ont ôté la pierre. Tu vois? And they removed the stone. Ils ôtèrent donc la pierre. They then removed the tu dois stone. Enlever la pierre. You have to remove dis à ton voisin, enlève la pierre. Tell your neighbor, remove. Enlever la pierre, to remove ça veut the dire, stone. Quel est le raisonnement? It means, what is the kind of reasoning? En fait, Marthe dit, il y a trop longtemps. Martha says, it's been, long, it's Jésus, been around for too long. Le travail là, j'ai perdu il y a trop Jesus, longtemps. I've lost the job ça sent long déjà. Ago. It stinks already. Mais moi, je ne sais pas comment. Vous I savez, à partir de ce how. Deuxième point, you know, du troisième et du quatrième point, c'est là qu'on rentre dans le surnaturel. Les deux premiers secrets, the first two même secrets, naturellement, c'est comme ça qu'on résout les problèmes de blessure du cœur. On te of dit, the mon ami, reconnais ta douleur. Say, okay, acknowledge et puis on te dit, d'où vient la douleur? Where it comes donc, from. Quand what les psychologues t'écoutent, so c'est pour aller localiser la souffrance. Donc, you, et à partir de ça, ils te donnent des conseils. Ce qui va faire qu'on va basculer dans le surnaturel, c'est à partir du secret numéro 3. It is from secret number 3. La pierre a ôté. C'est-à-dire, c'est tout le système away. De pensée qui fait qu'on croit qu'on ne peut plus être encore joyeux, heureux,
that we can no longer. Ce qui fait qu'on croit que le film est fini. Parce qu'on ne sait pas par quel miracle. Because we don't know. La joie qu'on avait avant d'être abusé. On ne sait pas comment ça peut revenir. The joy we had before we were abused, how we can come voisin, back ça, ce n'est pas ton problème. Tell your neighbor, this is not Autre your papier. Business. Just ça veut dire, roll out the stone. Remove this reasoning. Crois dans le nom de Jésus. Believe in the name of Jesus. Que Jésus est capable. That Jesus is able. Que Jésus est puissant. That Jesus is powerful. Que Jésus a dit, je ne t'ai-je pas dit. Jesus said, je suis la résurrection. I am the resurrection. Et ça, c'est une foi que tu dois avoir. And this is a faith tu dois croire have. Dans le nom de Jésus. Believe in the la Bible name dans Actes, c'est par la foi dans the son Bible nom says, que le nom de Jésus a raffermi les jambes. In the name of Jesus that his feet were made whole Amen. Again. Même quand ça, tu ne sais plus quel chemin Dieu va prendre Even dans if ton cœur. Il faut savoir que tout ce qui était perdu, Jésus peut ramener et puis faire ça mieux. Things, même si ça fait 300 ans. Better, est-ce qu'on appelle elapsed. La puissance power, de la résurrection. Quel soit ton partage power, dans le nom de Jésus. Quel soit ton partage dans le nom de Jésus. Quel soit ton partage dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Give a mighty amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le troisième secret trouve sa force dans secret, la foi, dans le nom, dans la puissance, dans les capacités de Dieu, c'est-à-dire en Jésus. God, il peut le faire. Je peux être joyeux à nouveau. I can be happy je peux again. Sauter à nouveau. I can jump je peux joy ne again. Plus pleurer. I can no longer weep. Je peux être tellement en joie I can be so et en paix. Je peux à nouveau donner la même énergie que je donnais au travail. Je peux, mon foyer peut être tellement neuf comme si jamais mon mari, ma femme ne m'a trompé. Can be so revamped as though mon foyer, my husband, ma vie, wife never cheated oui. on me. Indeed, it is possible. Il est capable. He is il est la résurrection. He is the resurrection. Il est la vie. And he is the life. Crois-tu cela? Believe. Do you believe this? Crois-tu cela? Do you believe this? C'est quand ça, c'est ça enlever le rocher. This is rolling enlève away ce rocher the stone. Qui empêche Dieu d'aller Roll voir away le mort. The stone that prevents Jesus from getting from reaching Arrête the dead. De là seulement ouais, c'est, le problème est trop compliqué, whining. C'est trop difficile, it's so difficult. C'est passé il y a trop it's longtemps. It happened too long back ago. Tu es grand, mais bon. Lord, you are great, I know, but still. Arrête d'être un chrétien martique, marticisé. Stop being the martyr kind of Christian. Et crois en ce Dieu. And believe in this Il God. Est le Dieu de la résurrection. He is the God of the resurrection. Alors ils ont ôté le rocher. And so they rolled away the stone. Et le dernier secret. And Jésus a dit, secret, Jesus Lazare, Lazarus, sort. Come out. Lazare, Lazarus, sort. Come out. Lazare, Lazarus, sort. Come out. C'est le dernier secret. This is the fourth secret. Amen. Amen. Il faut que tu déclares. You have to declare. La résurrection. Resurrection. La joie revient. Ma joy, paix revient. Mon bonheur revient. Back. My happiness Mais tu vas t'appuyer sur quoi? Back. But what will you lean on? Sur ce que tu as Lean vu. On what you have seen. Amen. Amen. La Bible dit The Bible says que Jacob, Jacob a fait cette déclaration. Declared this. Mon fils Joseph vit. Son Joseph il n'a pas vu, is alive. Mais il a déclaré. He had not seen him tu yet, n'es pas encore but dans he la declared. Joie. You are not yet in tu n'es joy. Pas encore consolé. You are not yet comforted. Tu n'as pas encore vu la main de Dieu. You have not yet seen the Mais move comme of God. Jacob, But as tu Jacob, te lèves you rise et tu dis and you declare, mon bonheur, ma my fulfillment, paix, my peace, encore, lives ma joie, again, my joy, encore. Lives Jésus again. S'est levé Jesus arose. Et il a appelé Lazare comme si Lazare n'était pas mort. And il dit Lazare, sort. He says, Lazare, sort. Ça veut dire qu'il savait que Meaning, he knew les oreilles de Lazare étaient revenues à leur place. Ears of Tout était rentré en ordre. Il a parlé comme Everything si la chose était. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois parler à la situation. Tu dois dire ma joie Say, revient encore. My joy Mon bonheur, back. Tu es là. Ma paix, you are back. Tu es là. Peace, Mon âme, you are tu es back. Restaurée. Soul, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. J'entends Amen. Pas ton acclamation et toi-même. Clap offering and your amen. 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 Mais quels sont les chars que tu vois? La Bible What dit que Jacob a vu les chars. See? The Bible says that Jacob saw the carts. Et c'est ici le troisième signe de l'alliance. And this is the third sign. Qui se souvient ce qu'on avait dit dimanche d'avant? What we said c'est quoi last la dernière Sunday? La marque de l'alliance qu'on a traité? Le sang. The blood. Et je dis, c'est pas en fait le sang, c'est la Sainte Seine même. La Sainte It Seine. Is the Holy le repas du Seigneur. The table of the Lord.
Alléluia. Amen. C'est ce repas. C'est lui qui te donne tout l'espoir. This is what gives you whole hope. Il faut, la Bible dit que Jacob, en fait, the Bible says, faut pas faire beaucoup d'efforts. Do not strive in your heart. Tu amènes, comment dirais-je, tu pleures. You weep. Tu appelles le Saint-Esprit pour pleurer. You call the Holy Spirit and you weep before him. Tu amènes Jésus, tu as mal. You take Jesus where you have Alléluia. The pain. Tu crois simplement qu'il est capable. You believe that he is able. Et qu'il peut le faire. And that he is able to do it. Amen. Maintenant, pour pouvoir déclarer, and now to declare, Jacob a dû voir les chars. Jacob had to see the cards. Toi aussi, tu dois voir quelque so chose. You too have to see something. Et ce qu'on voit, and what we see, c'est la victoire de Jésus. Is the victory of et dit, Jesus. He voici la marque this. Qui prouve. This is the sign that chaque fois que tu prends le corps, anytime toi, tu you take off this body, ce corps-là est mort this body pour que moi j'ai la vie. Died, that I son may sang have a coulé his blood pour was que shed, j'ai la vie. That I may je have life. Crois I believe dans la mort in the et la résurrection de Jésus. And the resurrection si Jésus of est Jesus, mort et ressuscité, if Jesus died c'est que Dieu ressuscite it toute chose. That God resurrect chaque fois everything. Que tu prends la marque, every que tu te souviens de l'alliance you remember the covenant au travers de la Sainte Cène, and you partake in the Holy Communion, tu dois ramener devant la Sainte Cène ce que tu es, ce qui était mort. Bring before the Holy Communion, c'est pourquoi quand tu prends le sang, dead, prends le sang de la Sainte Cène. Et puis tu exposes ce qui était mort. And expose et tu déclares. Dead, tout à l'heure quand tu vas prendre la Sainte Cène, prophétise ta résurrection. Later on, when you will take prophétise the Holy la communion, résurrection. Prophétise le corps de Jésus qui a été brisé. Take the body of Jesus et that rappelle was la victoire. And call Alléluia. For victory. Monte dans le char. Communie get avec le corps de Jésus. Cart, fellowship with the body of Christ. Et déclare la puissance du sang. And declare the power la Bible of the blood. Dit, the Bible says. C'est par l'âme qui est dans le sang. It is through the soul which is Luke, in the blood. Lévitique 17, je crois, 29. In the book of Leviticus 17:29. C'est par l'âme qui est dans le sang. It is through the soul que which le is sang in the blood, arrive à faire l'expiation. And that the blood c'est-à-dire can à laver, cleanse, à restaurer. Can restore, it means. Quand tu prends le sang de Jésus, when you drink of the blood of c'est Jesus. La vie de Jésus. It is the life c'est ce qui of rentre Jesus. Dans ton âme déchirée. This is what will go into your soul that is torn apart, and that restores its brand new. Il y avait ton âme qui a été blessée. You had your lost, la nouvelle âme your torn quand apart tu prends soul. Le sang. But for the new soul, when you c'est l'âme the blood, de Jésus lui-même. It is the soul of Jesus la victoire himself. De Jésus lui-même. The victory la victoire of Jesus du ressuscité. The victory c'est ce of the risen one. Ressuscite ton and âme it resurrects qui a été déchirée. Que Dieu te bénisse abondamment. God bless que les quatre secrets may this force qui restaure l'âme brisée soit ton partage au nom de Jésus. Nous allons nous tenir debout et confesser et prier par rapport à ces quatre secrets. Le premier secret, the first secret c'est de libérer son cœur de se consoler auprès du Saint-Esprit, de venir vers le Saint-Esprit parce que là il va nous rappeler des choses secrètes. Le deuxième secret c'est d'amener Jésus vers ce qui a été déchiré. Le troisième secret, alléluia, c'est de croire. Amen. Non, c'est pas, là, comme c'est pas déclarer la puissance du nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le troisième secret, c'est d'enlever le rocher. Alléluia. It is to roll away amen. The stone. Voilà, en croyant dans le nom de Jésus, en fait, dans la victoire de Jésus, in the victory que of Dieu Jesus, est capable. That God amen. Is mais able. C'est un rocher à ôter, c'est doter l'incrédulité. It is a stone that has to be rolled away to et le quatrième secret, roll away disbelief. C'est and de proclamer secret, maintenant la résurrection. Alléluia. En s'appuyant sur la résurrection de Jésus. On the resurrection of Jesus Christ. En t'exposant à cela. Exposing yourself, faut pas trop faire un effort émotionnel. C'est pas la peine de chercher à trouver la force dans ton âme. Quand tu prends la Sainte Cène, when you take the Holy Communion, tu n'as pas encore vu ta victoire. You've not yet seen your victory, but you declare, mon âme revit, my soul ma joie revives, revit, ma paix revit. My joy c'est tout ce qu'on te back, demande. Alléluia. Alléluia. Amen. On te demande, montre à Jésus le problème. Tu lui montres. On te Jesus dit, pleure devant le Saint-Esprit, tu pleures. Montre-lui, tu lui montres. Amen. Crois qu'il est capable. Tu crois, believe, tu enlèves le rocher et puis tu parles. Les quatre choses, quatre secrets. And you declare, prions these are the four secrets. Let's all together pray. Brinda soto arriba kata rababara ida soro baralaki. Raikata ramamo.
Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Lord, la guérison nous vient de toi. La restauration nous vient de toi. Et nous venons devant ton trône. Père, tu connais tous ceux qui ont le cœur au froid, tous ceux qui ont le cœur qui s'est éteint à cause des déserts d'arrachement qu'ils ont traversés. Merci pour la puissance de résurrection qui se répand dans le monde entier au son de cette voix et qui ressuscite les âmes abattues, les cœurs meurtris, les cœurs déchirés et qui les ramène à la vie dans le nom de Jésus. Père, nous croyons que tu le fais partout où nous sommes assemblés. Là, levant les mains vers toi, Seigneur Dieu. À qui irons-nous? Nous venons vers toi. Et nous approchons de toi, Esprit du Seigneur, Consolateur. Viens guérir nos cœurs brisés. Viens guérir nos cœurs blessés. Viens restaurer nos âmes, Saint-Esprit. Toi, le Consolateur. Jésus, toi qui peux tout. Voici la situation. Voici les blessures de nos âmes. Voici là où Lazare a été enterré. Nous croyons en toi, Seigneur Dieu. Viens et vois. Père, nous enlevons l'oubli, le rocher de l'oubli, le rocher de l'incrédulité. Et nous savons que tu es capable de redonner la vie aux choses qui étaient mortes, aux choses qui ont disparu. Tu es capable, Seigneur. Oh, Jesus, you are able to raise up those who are dying. Tu es capable de ressusciter tous ceux qui sont morts. Tu es capable, we mon believe Dieu. On you. Nous croyons you en toi. Believe on your power. Nous croyons you ta puissance. In the name of Jesus. Nous croyons au nom de you Jésus. Believe in the powerful name of nous Jesus. Croyons au nom puissant oh, de Lord. Jésus. Oh Dieu. Oh Lord. Oh Dieu. We are here. Nous sommes ici. Come with us. Viens, Seigneur. And in the name of Jesus. Et au nom de Jésus. We proclaim. Nous déclarons. And we declare. Et nous proclamons. My soul, raise up. Mon âme ressuscite. Raise up. Ressuscite. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. My joy, raise up. Ma joie ressuscite. My peace, raise up. Ma paix ressuscite. My faith, raise up. Ma foi ressuscite. Raise up. Ressuscite. With a new life. Avec une nouvelle vie. The new life of Jesus. Une nouvelle vie en Jésus. The victory of Jesus. La victoire de Jésus. Raise up. Ressuscite. Raise up today. Ressuscite aujourd'hui. This day. Maintenant, aujourd'hui, ce jour est un of jour resurrection. De résurrection. I will not be sad. Je ne serai pas triste. I will not be sad anymore. Je refuse la tristesse. My soul rise up. Mon âme ressuscite. In my blood, dans mon sang, I have the soul of Jesus. J'ai l'âme de Jésus. The strength of Jesus. La force de Jésus. The hope of Jesus. L'espérance de Jésus. The joy of Jesus. La joie de Jésus. My Jesus, mon Jésus, triumph from the death, est ressuscité des morts. Thank you, Lord. Merci, Jésus. Thank you for your word. Merci pour ta parole. In the name of Jesus, au nom de Jésus. And everybody say with me, tout le monde ensemble amen. Dit, un puissant can amen. We put our hand together? Est-ce qu'on peut acclamer I'm le sure Seigneur? Of this. Je suis sûr de ceci. In your heart, dans vos cœurs. My Lord, raise up so many things. Your joy, your peace. Mon Dieu a ressuscité tant de choses. Votre joie, votre paix. It will not be your last joy. Ce ne sera pas votre dernière joie. But it's a new type of joy. C'est une nouvelle forme de joie. Of the Lord. La joie du Seigneur. It will not be your last peace. Ce ne sera pas votre dernière paix. It will be a new kind of peace. Ce sera une nouvelle forme de paix. The peace of Jesus. La paix de Jésus. It's the new type of peace. Ce nouvel type de paix. New kind of faith. Nouvelle forme de foi. When God will resurrect you. Quand Dieu va vous ressusciter. Yes, will raise up your life. Il va ressusciter you votre will vie. Not be like you was. Vous ne serez plus comme avant. Yes. Non. The new Jesus. Nouvelle. The new Jesus after his resurrection. Le nouveau Jésus après sa résurrection. It was someone else. C'était quelqu'un d'autre. Yes. Oui. He was able to cross. Il était à même all. De traverser des murs. Yes. Oui. It's another dimension. Il était à une autre dimension. You will become something else. Vous aussi, vous allez devenir une autre dimension. Well, because amen. You will apply oui. These four secrets. Parce que vous allez mettre en pratique ces quatre secrets. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Can we thank our Lord? Est-ce qu'on peut rendre grâce à with Dieu? With our thanksgiving. Avec notre offrande d'action de grâce.